It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Oh, on a vendu des costumes. Testa de cazzo. Bonsoir, messieurs. Et allez, bonsoir. Et bonsoir. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, et vous? Ça va aller parfaitement. Vous vous cachez un petit peu là, vous avez les shérifs sur les côtes. On va dire que de Blackwater à Tumbleweed, on est très bien trop recherchés. Alors on se cachera un peu. Bon, je vais pas vous mentir que de base, on n'est pas très amis avec les Italiens, mais bon, on va faire. Oh, on n'est pas italiens, on a avoir simplement quelque chose à faire et on devoir aller dans notre. Dans les endroits où on est le plus recherché. Ok. Si vous passez à Blackwater, il y aura sûrement du feu pour vous réchauffer. Ok, intéressant. J'ai avoir besoin de votre aide, sinon, pour autre chose. Demain, on a avoir quelque chose à faire dans votre ville, à Annesburg. Ouais. Et on a avoir besoin d'un petit train pour partir en toute tranquillité. Et j'aimerais que, contre rémunération bien sûr, vous nous aidiez à ce que les trains nous attendent bien là-bas, où je veux demain. Okay. Donc aujourd'hui, votre mission, ce serait d'attaquer un train déjà, et de faire comprendre aux cheminots que s'ils ne se rendent pas à cet endroit demain, vous vous occuperez de lui. Ok. Ok, intéressant. Je veux voir que vous avez tous des armes. Ouais, effectivement, ouais, on est armés là. On commence à avoir du bon matériel, hein, vous savez. Le clan Shamrock n'est pas là pour dormir, hein. Vous avez misé sur la bonne pièce, sur le bon cheval. Et bah, si tu me réussis correctement cette mission, on se reverra ce soir. Et je te donnerai quelque chose qui est, je pense, mieux que ce que vous avez sur votre épaule. Ok, intéressant. Intéressant. Vous avez besoin d'un train à plusieurs wagons. Est-ce que vous avez besoin de wagons, je sais pas, de wagons de voyage, wagons de commerce, est-ce que vous avez des attentes particulières? Je peux te mentir que quelque chose qui est trop sur les rails, ça m'allait. Du moment que c'est okay. Pas un train à manivelle, ça m'allait. Ok, parfait. Eh bien, on va s'en charger. Et on revient vers vous assez vite, là on va se mettre tout de suite dessus. Très bien. Et pendant que je vous ai, si vous avez besoin de cannabis ou de graines, sachez qu'on a avoir du stock. Ok. Donc prévoyez peut-être de l'argent quand on se reverra ce soir. Okay, de graines parfait. Ouais. C'est-à-dire des graines. Oh, je pensais qu'il était peut-être temps pour vous de vous lancer dans la production, ainsi que l'acheter, mais ça vous permettrait d'avoir un afflux constant. Ok, pourquoi pas. Pour faire du... comme vous, là, du cannabis. Oui. Intéressant, c'est vrai que la moonshine, c'est bien, mais c'est long, fastidieux et pas si rentable. Donc, la moonshine, c'est bien quand tu vas avoir un saloon. Aussi, ouais, en effet. Mais ok, ça pourrait nous intéresser, ça. Bah, combien la graine? C'est 20$ la graine, donc 10$. Ok, intéressant. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en rediscute tout à l'heure, quand on a effectué la mission. Et on discutera de tout ça, et on verra ce que vous pouvez faire. Eh bien, alors... question. Oui. Le cannabis n'a pas augmenté de prix. Notre prix à nous? Oui, votre prix, ouais, de 50. Non, je pensais même aller le faire baisser. Parce que hier, les Mohawks nous ont dit qu'ils allaient faire monter le prix à minimum 3,50, 3,70. Oui. Et que personne n'allait rien faire, mais je me suis dit. Et puis la prochaine fois, on les vendra 10$.
Et puis ils viendront planter pour nous aussi. Je me suis douté que c'était du violon, mais je préférais m'en assurer, on sait jamais. Si, pour les bio, qui est une grande tribu, mais ils parlaient beaucoup aussi. Ok, bon bah c'est bien ce que je pensais. Ils avaient beaucoup trop de projets. Ouais, il faut pas se brûler les ailes. Hein. Mais bon, je vous compris. Ok, bah écoutez, on se charge de ce que vous nous avez dit et on se recontacte juste après. Ouais, très bien. Bon courage et que les esprits vous gardent. Merci à vous. Bon courage merci à vous. Bien. Merci bien. Merci. Bonne lune. Oui. Oh là là. Attends, c'est trop lequel, Liam là. Liam, c'est moi. Venir, je vais t'expliquer rapidement. T'as quelque chose à manger ou pas, Cole? Ouais, attends, je te donne ça tout de suite. J'étais là, je devais aller, mais. Tiens, je t'en donne deux directement. Oui, c'est juste. Et il est où l'endroit? À quelle heure? Donc il faut que demain à 23h il soit tour Tesla. 22h50. Franchement, la mission elle est incroyable, hein. Un peu avant tour Tesla. Mais un peu avant côté Annesburg ou un peu avant côté. Merci Raven, merci pour ton 19e mois, merci qui passe sur la cascade là. Merci aussi pour ton 24e okay. mois oui, et bon. Merci Simo pour le 29e mois. J'ai mangé un méchoui. Alors attendez, que je comprenne bien, j'ai pas envie de me tromper. C'est avant le pont, mais côté Annesburg. Dans la direction de Annesburg. Ou dans la direction. Mais non, mais dans la direction. Dans la direction. C'est quoi, Kaizo ? De la gare de Tesla ou dans la direction de Annesburg ? Ok, côté Annesburg, c'est bien ce que je dis. Je peux peut-être qu'on a la petite Mesa Wig. Ok, c'est bon, parfait. Oh. Écurie Kepner, c'est le mec qu'on cherche. Ouais. Il faut vous démasquer et ranger l'arme. Pourquoi? Parce qu'on est en ville. Et on est là pour. On est là pour braquer quelqu'un quand même. Bah oui. Ah bon? Bah oui. Je suis pas masqué. Il me faut des dollars, s'il vous plaît, les frères, pour que j'achète un masque. J'ai un dollar, moi. Donc... J'ai un masque dans la sacoche de mon canasson. Oui, j'en ai un, mais j'aimerais bien. Ou attendez, je passe au magasin de vêtements. Dépêche-toi parce que nous on va surveiller l'homme là. Sur ton troupeau derrière, ce serait peut-être les Winston Kids. Peut-être. Oh, c'est sûr ça. Ouais. Quoique, ils ont pas des masques sur leurs chevaux. Ah non. Je sais pas. Bonsoir. Et bonsoir. Shérif de Blackwater, enlevez vos masques s'il vous plaît, messieurs. Ah désolé. Ah oui, pardon, c'est pour la boue. Il y a pas beaucoup de poussière ici. Il y a surtout de la boue. On revient de plus bas là, donc c'est pour ça. Pas de soucis, messieurs, passez une agréable soirée. Bonne soirée également. Vous aussi. Ça va être compliqué. Hein. Mmh, avec autant de shérif, ouais. Effectivement. En plus j'avais même pas vu, mais je crois qu'ils étaient 4, ils sont 5 en fait. J'en avais pas vu que il y en avait 2 sur un seul cheval. Et en plus, va savoir c'est lequel des deux Jacob Kepner. Tu regardais Anas avant ou pas? Vite fait, ouais. Bah, y'a un mec et une meuf, je crois. Ah bon? Je crois que c'était juste un mec petit. Alors, j'ai vu que c'est l'autre, c'était une femme. Donc, on va. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Excusez-moi.
Dites-moi, est-ce que quelqu'un d'entre vous est palefrenier? Oui. Ah. C'est vous, monsieur Kepner, là, que j'ai vu sur le. Sur les posters, là, d'affiches. Ok, je voulais vous parler par rapport à mon Holsteiner, là. J'ai l'impression qu'il est blessé. Alors, je sais pas si je suis fou ou quoi. Il paraît effectivement pas en forme. Je pense qu'il a besoin d'être nourri, là. Ouais, pourtant, je l'ai nourri, etc. Mais je voulais voir si vous pouviez faire. Peut-être essayer de. C'est pas derrière ou quoi de le faire tourner un peu, voir. Parce que j'ai. En fait, je sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression qu'il a une entorse à une des pattes avant. Donc, j'ai essayé. Pourtant, moi, je le fais gambader et tout. Ça se passe assez bien, mais je sens parfois qu'il a des pertes d'équilibre en fait sur certains galops. Ok, bon, on peut regarder ça après. Juste fini l'installation des fers de ce cheval là. Désolé, pas de soucis. Pas de soucis, bah, je vous laisse terminer. Je vous attends juste derrière. Ok. Venez, on va attendre derrière. Là, Pas mal, excuse. Masquez-vous et mettez-vous contre la grange, moi je vais l'attendre ici. Liam. Vous voulez quoi le break? Ouais, masquez-vous et mettez-vous contre la grange avec comme. Et il va arriver par ici, ben. Vous me. Attendez. Attendez, je vais regarder un truc. Désolé, je suis tombé à cheval. Mettez-vous avec Cole, s'il vous plaît, Chester. C'est possible de nettoyer la selle, là en fait quand tu le brosses ça le nettoie, mais vas-y à Valentine, il y a tellement de boue frère que... Ah, c'est bon. Oui. Voilà, bon bah je vais vous laisser les rênes. Vous allez me dire, regardez, si jamais, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a du mal. Ok, c'est bizarre. Les mains en l'air, mettez mon crâne au sol. Oula. Allez-y. Oui, je pose mon arc. Embarquez-le. Écoutez-le quelque part. Allez, tu vas monter vite fait. Monte sur le canasson, fais vite. Fais vite, monte sur le canasson, je te dis. Tu nous passeras tout en chemin. Allez, montez ici, là. Pas de faux mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Pas de faux mouvement, vous allez comprendre. Je vous suis, petit frère. Ok, masterclass. On a bien géré. Ok, prenez-le, descendez là monsieur et allez sur le canasson juste à côté de moi. Ok, parfait. Vous allez où petit frère? Non, entendu. On va prendre un coin caché. Allez à la maison juste au-dessus, ok? Ok. Ça marche, on se rejoint là-bas, j'arrive. On fait quoi, nous on le suit ou... Ouais, allez-y. Les manos sont faites pour l'or. Ouais, c'est le mec pour les Winston Kids. Ok, alors, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, les gars, là, on a une mission ce soir. C'est une mission de la part des Sakani qui doivent faire un gros braquage demain à Hansburg. Et en gros, ils nous demandent de braquer un. Hein. Pourquoi une fumée bleue?
cache pas, ils nous ont vu. Sun, canne à Sun à gauche. Bonsoir. Bonsoir. Ok, ok, là je pense que. Il y a l'armada, brother. Attendez, je pense que je vais enlever mon manteau pour éviter qu'on me reconnaisse. Oulala, frère. Ah ouais, par contre, prendre un mec en otage, c'est pas des lol, hein. Et heureusement, on a fait un bon plan et qu'on a été rapide et efficace, hein, parce que putain. Le mec sur son cheval, il vous a vu. Ouais, 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 c'est ce que je pense aussi, ouais. Ok, alors attends, je vais leur donner rendez-vous. Mount Hagen, Barrow Lagoon, je vais leur donner là. Ok, alors attends, c'est qui? Arthur Carson, Wayne Butler. Bonjour, monsieur Carson. Nous détenons actuellement une des cibles que vous nous avez demandé. Nous sommes au barreau. Nous sommes à la maison du Barrow Lagoon. Du coup, en haut à gauche, au nord-ouest. Ok, alors maintenant faut que je boive. Faut que je boive, faut que je boive. D'ailleurs, je vais voir les télégrammes, j'arrive. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Est-ce que vous savez où se trouve une fontaine ici? Ah oui, tout à fait, il y en a trois même ici. Trois? Voyez là, regardez là, la direction de mon doigt là, juste là. Là, c'est barrière, c'est tout droit. Ok, tout droit, ça marche. Merci beaucoup. De rien, l'ami. Il y a tellement de monde, mec. Les gars, il y a tellement de monde là dans le coin, c'est une dinguerie, hein. Je pensais pas, Valentine, c'était autant. Ça avait autant de buzz. Ah, je pensais que ça avait zéro buzz, Valentine, wesh, c'est une ville de ouf. Là, ça devient long. Bon, les personnes qui vous cherchent ne sont pas disponibles. C'est votre jour de chance, monsieur Kepner. Cependant, vous imaginez bien que on ne vous a pas attrapé pour rien et qu'ils nous ont pas dit de vous faire passer un message. Oui. Le message est le suivant. Attendez, j'entends des gens. Y a pas mal de monde là-bas. Je vais aller vérifier. Va vérifier. Ils sont partis direction ouest. Merde, putain. Mais j'ai fait quoi là? What the fuck, frère? Il s'est passé quoi? J'ai tout baisé. Il y a du monde. Bah après de GTA et avec moi, y a pas grand monde. Mais en gros sur le serveur là actuellement, tu vois tout de suite maintenant à l'heure où je te parle, on est combien? On est... Là tu vois on est 225 à l'heure où on parle. T'as à peu près 250 connectés par soir, ça joue
ça joue de 13h jusqu'à 2h du mat. Et le serve, frère, il est trop bien dev. Genre, t'es mal inventaire. T'es mal, t'as une roue pour faire plein de trucs. Genre, pour ta démarche, pour machin. Je viens de recevoir un télégramme. Je vais me chauffer de baiser. Mais viens, frère. Viens, Games, si tu veux. Si ça t'intéresse, tu me dis. Et moi, je vois avec le fondage, je le connais, c'est un streamer. Je sais pas si tu le connais, c'est le gros TV. Peut-être tu le connais, peut-être t'as déjà joué avec. C'est un mec qui a fait beaucoup d'RP Vagos, tout ça. Je viens de recevoir un télégramme, je vais commencer à tout baiser. Hein. Bon, attendez, monsieur Kepner, c'est peut-être pas votre jour de chance en réalité. On connaît pas, mais on se dit. Ouais. Bah, tu me dis, frère, si tu veux venir, tu me dis, moi je vous branche. Je vous ferai un groupe si tu veux, je lui direct un bon joueur et tout, comme ça. Mais le serveur est exceptionnel et même en termes d'RP pur, c'est une dinguerie, les gens sont trop forts. Alors ? Je ne sais pas qui c'est. Ils ont pas voulu s'arrêter ? Bah, ils étaient une dizaine, donc j'allais pas les arrêter tout seul. Bah, t'aurais pu leur parler, hein. Bon. Vous avez vraiment de la chance, on va dire. De la chance ? Ouais, de la chance dans votre malheur, hein, vous savez. Il faut savoir être positif. Cole, posez cette arme. Vous allez lui régler son compte à ma place. Ok. Si je le fais, je pense pas qu'il sortira vivant. Le message est le suivant. Tess et Isha, si tu ne veux pas qu'il t'arrive pire, ce ne sera pas nous qui nous en chargerons. Mais bien pire et bien plus pire et cruel que nous. Voilà. On peut faire pire qu'eux, vraiment ? Je ne sais pas, écoutez. On verra bien. Franchement, là, c'est vraiment farfelu, vraiment. Je pense que vous avez du coup saisi le message. Bah, dans tous les cas, j'ai compris dès le départ, mais bon, ça serait vraiment. C'est un rapport avec le palefrenier de Blackwater ? Je vois pas trop. Blackwater, non, rien à voir. De Saint-Denis, ou je sais pas ce que vous avez dit. Oui, Saint-Denis. Mais bon, après tout ce qu'elle a fait, c'est un peu normal que. Voilà. Hein. Ouais, écoutez, moi, ce n'est pas mes affaires. Cependant, si vous voulez vous venger envers qui que ce soit, vous me connaissez maintenant, je viens d'Hansburg, vous demandez des clans O'Connor, du clan Shamrock, et vous pourrez me trouver là-bas. Si vous avez des dollars à mettre, moi je pourrais m'occuper d'éteindre vos ennemis. Maintenant, en l'occurrence, là nous avons été payés pour faire cela. Et si je vous donne plus de dollars pour éviter de me faire du mal? Est-ce que vous êtes vraiment capable d'aligner plus de dollars que les personnes qui m'offrent? Bah combien vous ont fait? 30 dollars. 100 dollars. Vous avez avec vous? Non, dans mon écurie. Vous avez quelque chose sur vous déjà actuellement? J'ai que 17 dollars. Donnez-moi 15, on va vous déposer à l'écurie. On peut se donner un rendez-vous pour que je vous paye plus, quoi. Vous allez ramener les shérifs et vos amis? Non, merci. Ben non, vraiment, je ramènerai pas les shérifs et mes amis. Je vous paierai, pas le choix. Donnez-moi. J'ai pas envie qu'il m'arrive malheur. Donnez-moi 15 et on va vous déposer à l'écurie. Et vous me donnerez au total 80, donc vous ferez 80 moins 15. Sauf qu'à l'écurie, je pense que les shérifs seront présents. J'en doute. Je pense qu'ils seront présents. Ben on ira en éclaireur. Liam, tu iras en éclaireur et on attendra qu'ils partent pour le redéposer. Je donne l'argent à qui? Donnez à moi, des clans. Tenez. Parfait, venez. Attends, excusez-moi. J'ai... Wow, il y a un loup par là. Il y a pas mal ici. Il y a pas mal de loups dans le coin. Hein. Faites attention. Prenez-le sur votre canasson, Liam. Qu'allez-vous leur dire du coup? Écoutez, bon, en l'occurrence, ce qu'on va faire. Putain, je peux pas tirer en plus, moi. Bien joué. Foutu animaux sauvages. Du coup, monsieur Kepner. Kepner, ouais, je crois. Monsieur Kepner, oui. Évidemment, vous vous êtes fait tabasser par le clan Shamrock des Irlandais. Okay. Ils vous ont tabassé à mort et vous avez survécu grâce à des magnifiques docteurs de Valentine qui vous ont sauvé. Ça marche? Okay. Ça marche. Parfait. Liam, un peu avant Valentine, tu t'arrêteras. Moi je vais aller regarder à l'écurie et si tout est bon je reviendrai vers toi. On s'arrêtera à la rivière, tu sais, juste derrière l'écurie, là il y a une sorte de rivière.
Mais ouais, Game, pose-toi un peu sur le stream, regarde, tu vas voir, c'est vraiment bien. En fait, le système illégal, il est trop bien fait, le jeu est trop beau. Ils ont fait une île illégale qui s'appelle Guarma, où tout l'illégal se passe dessus, genre les points de drogue et tout. Les groupes, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment ouverts, en fait. En ce moment, ils cherchent des groupes aussi qui bougent bien, quoi. Parce que le défaut qu'il avait, le gros, c'est qu'il avait des bons groupes, tu vois. Des mecs bons en RP, mais des mecs qui se branlent, en fait. C'est qu'ils font pas la guerre, qui... Suivez-moi. Tu vois, des mecs qui font pas la guerre, des mecs qui sont là, ils sont passifs. Et quand les shérifs, forcément, viendront me voir pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce que je leur dis? Dites-leur que c'était une mauvaise affaire et que c'est terminé. Ok. Ouais, libre à vous de dire ce que vous voulez, mais évidemment que si nous on vient toquer à notre porte en disant qu'on a braqué un certain monsieur Kepner, vous saurez ce qui vous arrivera. Je pense que ce n'est pas rentable pour vous de nous donner de l'argent pour derrière avoir des problèmes. Oui, je comprends. Là, vous nous donnez de l'argent et la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en bon terme. J'espère bien. J'espère aussi. Ce serait mieux. Jamais nous sommes spécialistes dans les explosifs. Souhaitez que mon palefrenier perde son écurie malencontreusement. C'est assez étroit ici. Bon, le temps que Douglas arrive là pour son rendez-vous. Moi, ce que je pense là, en vérité, pour la mine. Mmh. Là, la mine, à mon avis, ça va pas se passer comme ça devrait se passer. Parce que à la base, Dalton et Taylor auraient pu plier genoux. Et je pense que Austin et monsieur machin là, comment il s'appelle là, Jackman, monsieur Jackman, Rango là. Jackman. Là, ces petits, eux là, ces petits enfoirés, eux, je suis certain qu'ils vont poser problème. Donc moi, je pense qu'il faut que... Ce soir, je vais aller poser ma démission. Cole, vous n'êtes pas embauché, vous? Non. Ok, donc vous allez vous faire embaucher à ma place le temps de vous faire un petit peu d'argent pour votre canasson. Mm-hmm. Comme ça, Chester et Cole, vous continuerez de travailler. Bartley, Liam et moi, nous allons partir. Et nous allons leur trouver des employés. On va leur dire qu'on va s'assurer que leur entreprise tourne toujours à plein régime. Mais... Moi, ce que j'allais leur proposer là ce soir, dites-moi ce que vous en pensez, je vais leur filer un contrat, donc qui est ma lettre de démission. Mais en dessous de ce contrat, je mettrai une deuxième feuille qui sera une proposition pour accroître la sécurité de la mine. Que personne ne puisse venir braquer, que machin, en échange d'un prix. Quel serait notre prix à la semaine, Liam? Pour une protection. Pour protéger entièrement la mine, que personne ne vienne braquer et que les personnes qui vont venir braquer se fassent tuer. Je pense que $3,000 à la semaine, ça serait bien. Oui. C'est vrai. Ouais, vous avez chié dans l'eau là, regardez les marrons. Non, en réalité, je pense que $50, ça fera très bien l'affaire. Je pense que c'est très peu. Faut que je me lave le visage là. Si on leur dit qu'on s'occupe des vendeurs là, la sauvette qui embête tous les villageois là, je crois qu'on peut monter à 100-150 dollars. Hein, non, c'est beaucoup. Écoutez, on peut leur proposer 50, hein, ça peut déjà être bien, mais on leur dira que s'il y a beaucoup de boulot, ça en fait, regardez. Regardez pourquoi je vous dis 50. Imaginons, on est bien d'accord qu'on ne compte pas s'arrêter à la mine. Non, mais c'est le plus important, il faut absolument qu'on les donne la poche. Voilà, donc, $50 la mine, $50 les armureries, $50 les saloons, vous voyez? Au final, ça revient à un bon petit pactole. Bon, on peut essayer ça. S'ils refusent, nous leur dirons que nous pouvons avoir tout... Enfin, je vais lui dire subtilement qu'en gros... Nous pouvons avoir tout l'effet inverse. Nous avons bien propulsé leur entreprise, mais nous pouvons très bien la mettre à terre. C'est-à-dire que beaucoup de gens bossent là-bas grâce à nous, et que si on veut, on peut faire en sorte que la mine soit pillée tous les jours. Et s'ils n'en ont rien à foutre et qu'ils en ont pas peur, on a les shérifs, on vous baise.
Et eh ben, on les prévient que dès demain, la mine sera mise à feu et à sang. Ça vous va? Oui. Voilà, et toutes les personnes qu'on connaîtra, on missionnera des gens à qui on prêtera les cattleman. On enverra à la mine faire des coups en kamikaze. Nous-mêmes, nous irons piller. Nous enverrons également peut-être des hommes comme les... Vous savez, les petits des Winston Kids, là, je sais plus comment ils s'appellent. McAllister. Ouais, McAllister. Nous leur proposerons X dollars pour aller foutre la merde à la mine. Des petites personnes comme ça, à droite à gauche. Je sais qu'il y en a vers Blackwater aussi, des hommes comme ceux-là, des petites familles qui essayent de faire leur place. Ok. Ok. Parfait, et ben dirigeons-nous vers la mine. On va voir ce que ça donne. Et Douglas, il avait rendez-vous avec moi, mais apparemment ça n'intéresse pas. Bah, je t'ai dit, après, quand on est arrivé, il y avait un type sur le ponton, il s'est fait embarquer par les Western Kids, ouais, donc ouais. Ça se peut que c'était lui. Après, est-ce que c'était lui, je sais pas. Aucune idée. Mais je vois pas à quoi ça ressemble, donc. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, vous aurez pas vu mon ami Douglas? Bah, on avait rendez-vous avec lui sur ce ponton, mais. Ah bon? Il n'est pas là. Il m'avait dit de l'attendre pas loin, qu'il avait des choses à faire, puis je le cherche depuis tout à l'heure et je le vois pas. Il y a un groupe d'hommes armés qui vient de passer ici et qui l'aurait apparemment récupéré, donc c'est possible que. Oh là là. Dans une mauvaise situation. Vous savez comment il était habillé ou pas? J'arrive, je vais m'acheter à manger, je reviens. On s'entend de parler. Ouais, malheureusement, c'est pas très bien isolé, messieurs. Ouais, c'est assez bruyant, c'est pas grave. Ouais, c'est le bordel, vous pouvez le dire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs O'Connor? Alors. Attendez. Vous pouvez me donner mes documents, oncle Chester, s'il vous plaît, que je vous ai donné tout à l'heure. Ah oui, bien sûr. Merci. Attends. Bon. Voici sur la table, monsieur Dalton, pas forcément une très bonne nouvelle, mais peut-être une mauvaise qui en cache une bonne. Voici sur la table, malheureusement, ma lettre de démission pour la mine. Alors. D'accord. Comme vous le savez. Vous en avez parlé, hein, c'était forcément moi pour débuter. Hein. Oui, oui, j'imagine. Pour débuter mes activités. Donc vous voyez que j'y ai beaucoup travaillé au début. Et c'est vrai que par la suite, là j'y travaillais moins. C'est également pour laisser, en l'occurrence à ma place, mon frère Cole, qui travaille à la mine depuis quelques jours, mais qui n'est pas employé, qui est juste en intérim. Mm-hmm. Donc prenez ma place comme remplacé direct. Okay, si vous le souhaitez. Évidemment. Cependant, je vous laisserai. Moi, j'ai comme vous avez vu en bas, j'ai imposé ma signature en bas à droite de la feuille. Je vous laisserai la remplir et faire ce qu'il faut. Cependant, je pense que vous voyez en dessous qu'il y a plusieurs autres feuilles. Vous pouvez enlever ma lettre de démission du dessus du paquet et en dessous un autre contrat qui va peut-être vous intéresser ou non, à vous d'y réfléchir. Là, je vais vous en parler maintenant et vous allez me dire si cela pourrait vous intéresser. Ok. Bon, on va pas se mentir, monsieur Dalton. Je pense que vous avez vu quel genre d'homme nous étions. Nous ne sommes pas venus aux États-Unis pour enfiler des perles. Nous avons un objectif bien précis qui est de retrouver quelque chose de perdu. Et nous sommes prêts à tout pour y arriver. Tout. Je pense que vous comprenez ce que ça englobe. Nous sommes prêts à anéantir la moindre opposition face à nous. Vous comprenez? En Irlande, nous avons fait face à l'IRA et à la police locale. Notre famille est assez connue en Irlande. Si vous intéressez un petit peu à la famille O'Connor, vous apprendrez de nombreuses choses sur notre père, qui nous a d'ailleurs envoyé aux États-Unis afin d'exécuter cette mission de retrouver cette chose qu'on a perdue ici. En l'occurrence, tout ça n'est pas très intéressant à savoir, mais nous avons commencé avec la mine ici, nos premiers pas aux États-Unis, nos premiers dollars ont été faits ici, et je pense que vous-même, vous me l'avez dit, vous êtes entre guillemets un petit peu redevable envers notre famille par rapport au fait que nous avons relancé un petit peu la machine de la mine, et nous vous sommes redevables, étant donné que vous nous avez tendu la main à la première occasion. Mmh. Pour vous rendre l'appareil, j'allais vous proposer quelque chose. Car ce serait dommage que
Moi qui démissionne de la mine, je n'ai plus jamais à vous rencontrer à part par hasard à Hansburg. Oui, ce serait dommage. Ce serait dommage. Je préférerais continuer d'ailleurs à travailler avec vous. Évidemment, casser des pierres ne m'intéresse plus forcément. J'ai trouvé d'autres moyens d'arrondir les fins de mois, comme on dit. Ma proposition est la suivante. Nous savons que la mine est assez souvent attaquée et que malheureusement, les shérifs d'Annensburg ne suffisent pas parce qu'ils sont à droite, à gauche, ils sont sur des opérations aux alentours de la ville et dans le comté. Nous vous proposons un service de sécurité de la mine, c'est-à-dire que notre famille veillera sur la sécurité de vos employés et sur le fait également, je rajoute à notre domaine qui n'est pas de la sécurité, la propagation de vos annonces de recrutement, c'est-à-dire que vous ne vous retrouverez jamais avec de la place dans votre entreprise. Vous aurez toujours des employés, et comme vous l'avez vu, ça a déjà marché. Il y a de nombreux employés qui sont là grâce à nous, car nous les avons forcés ou conseillés de bosser avec la mine. Donc nous pouvons vous proposer un système assez simple, c'est-à-dire que votre entreprise tourne à plein régime, vous vous faites de l'argent. Nous sécurisons votre mine pour que personne ne vienne la braquer, que personne ne vienne déranger les activités, et que si ils arrivent à passer entre les mailles du filet, ce sont des hommes morts. En échange de ça, nous vous demanderons, évidemment, une paye. À la semaine. Tout simplement. D'accord. Qu'en pensez-vous ? Pour à titre informatif, ce serait une paye de combien ? Écoutez, on peut voir entre nous, mais nous avions pensé à $50 par semaine. Ce qui, je pense, est assez... Comment dire ? C'est assez bas, hein. C'est normal, quoi. C'est un prix normal. Mon frère, puis-je rajouter quelque chose ? Allez-y. C'est un prix normal. Alors ? Parlez juste un peu plus fort, monsieur O'Connor. J'ai du mal à vous entendre avec les machines. Oui. Alors ? Raisonnable, bien vu. Ceci est en aucun cas une main forcée. Oui. Un peu. Monsieur. Bonsoir, monsieur Taylor. Ah bah vous arrivez en plein milieu de la discussion. Ouais. C'est parce que j'ai entendu tirer depuis désolé, tout à l'heure. On a été retenu. Et c'est quoi, c'est le saloon qui est encore une fois pris pour cible ? Ouais, il y a eu le braquage là. Ok. Ces messieurs O'Connor me faisaient part d'une mauvaise nouvelle de premièrement qui est la démission de monsieur Declan et ils m'ont fait une autre proposition. Ça vous dérangerait ? Bah attendez monsieur. Je peux répéter hein, si vous voulez. Je peux faire simple pour qu'ils comprennent. Répétez rapidement et au moins ils sont mis au courant. Ce désolé, que je disais, c'est que notre proposition est la suivante. Comme nous avons fait depuis le début que nous sommes là, nous ferons en sorte que votre entreprise tourne à plein régime, c'est-à-dire qu'elle soit toujours complète en termes d'employés. Même si je pense que vous faites déjà très bien le boulot. On peut avoir de l'influence et ça a déjà été le cas avec Douglas, avec d'autres. De plus, nous nous occuperons de sécuriser votre entreprise. On ne doute pas de vos capacités, mais je pense que vous n'êtes pas à la mine 24h/24. Les shérifs ne suffisent pas étant donné qu'ils ont d'autres choses à gérer, comme vous le voyez même actuellement. Effectivement. Nous nous occuperons de prendre soin de la mine comme elle a pris soin de nous au départ. Et de la sécuriser, et que si quelqu'un, par nos gardes, arrive à passer entre les mailles du filet, arrive à braquer un de vos employés, nous nous occuperons de la suite. Ce ne sera pas les shérifs ou quoi. Vous direz oui, mais c'est un homme natif, peut-être un Mohawk ou peut-être un Sakani. Nous irons chercher. Dans toutes les tribus, nous attraperons chacun d'entre eux et nous dirons qui a braqué la mine. Ils nous diront qui c'est et nous le tuerons. Tout simplement. Alors, je comprends que vous n'ayez pas envie d'être peut-être. Dans ce genre d'affaires, mais vous ne saurez rien. Je préfère vous le préciser par honnêteté vis-à-vis de notre relation. Vous avez toujours été des hommes honnêtes et droits avec nous. Donc je vous dis la vérité, mais sachez que vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Tout ce que vous saurez, c'est que les hommes ont braqué, nous nous occupons de la suite. Tout simplement. Et votre mine ne sera plus jamais braquée car elle sera crainte. Et tout ça pour la modique somme de $50 par semaine. $50 par semaine, effectivement. Si je puis, je... Oui, votre frère voulait dire quelque chose, on l'a coupé. C'est ça. Encore. Donc, comme je disais, ceci est en aucun cas une main forcée. Ok ? C'est-à-dire que on vous fait une proposition, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Après, comme vous l'avez dit, en ce moment, certains sauvageons des montagnes se permettent des choses dans cette ville. Vous voyez ? Et je pense que, dans tous les cas, les shérifs ne seront pas à même...
en toute honnêteté, de sécuriser votre mine, car ils sont, dans un premier temps, régis par des lois. Déjà, oui, effectivement. Déjà, dans un premier temps, ce qui n'est pas notre cas. Nous pouvons agir où nous voulons, quand tout, quand qu'on veut. Surtout, moi, je me suis rendu compte de quelque chose. Ces hommes-là qui vous braquent dans les mines, qui braquent vos employés. Vous vous dites, oui, mais ils vont se faire arrêter. Ces hommes-là, si vous saviez tout ce qu'ils font, ils braquent de nombreuses choses, et pas que des mines. Ils font des affaires totalement incroyables et ils se font des centaines, voire des milliers de dollars par jour dans les comtés proches. Sachez que ce ne sera pas les shérifs qui les arrêteront pour un braquage de mines. Cependant, nous, si on est payé, on sera impliqué. Vous savez, messieurs, j'ai été shérif pendant un temps et effectivement, je peux qu'approuver que malheureusement, la plupart des bandits repartent avec une amende et... Et c'en est fini pour eux dans un laps de temps. Après, ça finit toujours par leur retomber dessus. Hein, Au bout de combien de temps ? Quand on trempe là-dedans, malheureusement, ça finit toujours par, ça finit toujours mal pour vous. C'est vrai, mais la justice, elle ne permet que d'aller en prison ou de mettre des amendes. Mais la prison, c'est vraiment le maximum. Cependant, la loi de la rue irlandaise et ici la loi du Far West, nous l'appliquons. Et il n'y a qu'une seule loi dans la loi du Far West, c'est qu'il n'y en a pas. Donc sachez que nous nous occuperons de la suite, c'est tout ce que vous avez à savoir. Très bien, messieurs. Vous permettez qu'on se réunisse entre nous, qu'on en parle et qu'on... De toute façon, en vérité, hein, écoutez, messieurs, je ne vous demande pas une réponse maintenant. Si vous avez envie de vous concerter quelques minutes, il n'y a pas de souci. Cependant, vous pouvez avoir le temps d'y réfléchir. Moi, je vous propose ça pour le moment de bon cœur et de... Je vous tends la main pour que vous la serviez. Maintenant... À vous de réfléchir. Pour le moment, la somme est assez basse. Il y a du mouvement. Je voulais juste vous faire part d'une chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que c'est vrai qu'on les a moins vus ces derniers temps. La ville est normalement sous la protection des Margoulins. Alors, je ne sais pas quelle est votre position vis-à-vis de ce groupe. Ça changera, voilà. Sachez-le. D'accord. C'était juste pour que tout le monde soit au courant de cette information. Ouais, on est au courant. Ça changera assez vite. Mais... Elle est tellement sous la protection des Margoulins que le saloon se fait braquer à longueur de soirée. À toute heure et à longueur de soirée. Là-dessus, vous marquez un point, messieurs. Le saloon, l'armurerie. Vous savez, ce n'est pas pour les décrédibiliser, mais je ne pense pas qu'une bande d'orphelins puceaux puisse contrôler une ville. Cependant, des hommes qui ont contrôlé Dublin pendant des années et qui ont une renommée de famille assez importante peuvent s'en occuper. Mais bon. Ce n'est que des statuts, ce n'est que des rumeurs, ce n'est que de la réputation. Les actes en disent long. Mais vous verrez, par vous-même. Je vous laisse discuter. Vous avez marqué quelques points. On en discute entre nous, ouais. Monsieur O'Connor. Bah, on vous attend juste en bas. Très bien. Merci. Merci à vous. Ah, les gars, on a la boca, frère. En fait, on parle bien. Je pense qu'on parle bien et on marque des bons points. Honnêtement, tu pouvais pas mieux l'amener que ça. Ouais, je pense aussi. J'ai fait au mieux. Bon, restons ici, hein, regardons notre prochain royaume. Attends, mais je me pose une question, vous pensez qu'on peut descendre là ? Non, vraiment pas. Mais pourquoi vous me dites on peut pas alors qu'on peut ? Aïe ! Mais tu t'allais te faire mal. Ah ! Putain ! Bon, restons en haut, Tu l'as fait tomber. Ah, putain. Pour le coup, le vocal t'as jamais été dégueu. Ouais, bien sûr, mais après... En fait, il y a RP vocal et RP vocal, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une bonne voix, c'est bien d'avoir une bonne prestance, mais ce qu'il faut, c'est avoir des arguments, en fait. On est en conflit direct avec les hommes en bleu. Là, je pense que c'est inévitable. Bah, c'est inévitable, mais du coup, il faudrait être plus que 4. Oui. Écoutez, moi, ce que je vais m'occuper de faire, dès ce soir, je vais envoyer des télégrammes à notre père. Je vais dire d'envoyer d'autres frères et des hommes de main. Parce que je ne veux pas qu'il y ait tous nos frères, parce que si il se passe quoi que ce soit, la famille est mise à péril. Cependant, je vais leur demander des hommes de main, des simples soldats, des hommes que nous ne connaissons pas, des hommes qui peuvent exécuter. Une fois que nous aurons ces hommes sous la main, nous les armons, nous faisons de l'argent et nous récupérons Annesburg entièrement. Là, j'espère que
Si on arrive déjà à récupérer ce dont on parle là depuis tout à l'heure, si on y arrive déjà à 4, imaginez ce qu'on peut faire au triple. Ou au double. Je pense que ça peut aller loin, ça peut aller loin. Mais comme je l'ai dit à Bartley, ne perdons pas notre objectif de vue. Ne commençons pas à rentrer dans le cercle vicieux des guerres. Vous savez très bien ce qui s'est passé en Irlande. En Irlande, nous avions un objectif, contrôler la ville. Une fois qu'on l'a contrôlée, est-ce qu'on s'est arrêté? Non. Pourquoi? Des gens avaient tué des amis, donc on a tué leurs amis. Donc ils ont tué nos amis, donc on a retué leurs amis. Donc ils ont tué nos autres amis, donc on a tué leurs autres amis. Mais quand ils se vengeaient, nous ne voulions pas nous arrêter. Nous sommes rentrés dans un cercle vicieux, c'est le chat qui se mord la queue en vérité. Et ça, c'est arrivé contre beaucoup de gens, les Italiens, les Juifs, les Russes, même les Albanais. Il ne faut pas qu'ici, nous nous fassions submerger et que nous soyons absolument dans le conflit et dans le cercle vicieux. Nous avons un objectif, faire de l'argent, récupérer ce foutu trésor et repartir en Irlande. Donc si un jour, on en vient à se perdre au point d'être en guerre, de rentrer dans ce cercle vicieux, il faudra que nous revenions, que quelqu'un ici ait le sang-froid pour ne pas oublier l'objectif qui est devant nous. D'accord? Très bien. Toujours pas de train là dans les environs, Liam. Vous n'avez rien vu. Comment? J'ai dit toujours pas de train dans les environs, vous n'avez rien vu. Non, toujours pas. Ah les gars, je suis trop hype par la suite. C'est vrai qu'elles font un boucan pas possible, ces putains de machines là. On s'entend à peine réfléchir. Je suis tellement hype les gars, c'est... Alors, dites-nous. D'accord. Hop. Alors messieurs, après discussion avec mes associés, nous avons décidé d'accepter votre offre. Okay. Cependant, on aurait quelques zones à éclaircir avec vous. Premièrement, tout ce qui est recrutement ou autre, ça reste à notre charge. On s'en occupe très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Et comme ça, ça vous permettra de bien vous concentrer sur la sécurité, comme vous êtes. Comme vous le savez, hein, en ce moment, c'est presque tous les jours. Pour l'instant, ça nous paraît être une bonne somme, $50 par semaine, à charge de rediscussion si malheureusement on voit que notre collaboration n'apporte pas ses fruits, à savoir que la sécurité n'est pas améliorée à la mine ou que les attaques... augmente plutôt qu'elle ne diminue. Ouais, bien sûr, ça c'est, on est bien d'accord. Bien, écoutez, c'est parfait, hein. C'est parfait. Nous, on fera ce qu'il y a à faire. Et n'hésitez pas, si des hommes passent entre les mailles du filet, évidemment, nous ne serons pas là 24 sur 24, même si nous allons relayer beaucoup de gens devant la mine. Si des hommes braquent et que vous savez qui c'est, n'hésitez pas à nous le notifier. Pas de soucis. Bah, en tout cas, vous savez que la dernière personne à avoir voulu nous braquer faisait partie de la tribu des Mohawks. Voilà. Ok. Il me semble que c'était quelqu'un à le prénom. Oui. Nayati. Takala Nayati. Nayati. Ok. Moi, j'ai une petite question, messieurs. Allez-y. Du coup, lorsque vous allez partir en représailles là, et les chasser, vous vous présenterez en tant que sécurité de la mine ou en tant que O'Connor ou autre? O'Connor. Ok. Et cet accord, il reste confidentiel ? Bien sûr. Enfin, sachez que nous allons protéger Hansburg. Donc, de notre côté, nous dirons que tout ce qui est dans l'enceinte de la ville est protégé par nous. Donc, nous n'allons pas dire que nous protégeons la mine parce que nous ne voulons pas que vous ayez des représailles. Ou alors que ces hommes-là viennent vous dire... ouais, nous on prend deux fois moins cher et on vous protège deux fois mieux. Vous voyez, ce serait pas dans nos intérêts. Donc bien sûr que ça reste confidentiel. Si vous souhaitez par contre en parler au shérif, vous pouvez. Dans ce cas-là, faudra rédiger un contrat. Si vous ne souhaitez pas et qu'on continue de faire ça
de la main à la main, nous ça nous arrange. Et de toute façon, les gens seront assez vite au courant de la famille O'Connor et du que le clan Shamrock domine sur Hansburg. Donc voilà. Le clan Shamrock, c'est votre... C'est notre nom, voilà. D'accord. La famille O'Connor, c'est ce que vous connaissez. Le clan Shamrock, c'est ce que tout le monde connaîtra. C'est le mot qui fera trembler les murs dans les saloons de Blackwater et du New Austin, par exemple. D'accord. Voilà. Clan Shamrock, c'est noté. Parfait. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres points à nous remonter ou des questions à poser ? Non, à part que si vous du coup vous avez une place, Cole va bosser à ma place. Ouais, je peux bosser à la place de mon frère aîné du coup. Voilà. Eux qui ont encore besoin d'un petit peu de revenus peuvent voilà. Et de toute façon, je pense que Chester aussi dans quelques jours partira de la mine. Cole va travailler pareil une petite semaine et je pense qu'il partira. Donc essayez de votre côté peut-être de prévoir d'autres gens dans l'effectif. Oui, c'est déjà dans les tuyaux, vous embêtez pas là-dessus, vous inquiétez pas. C'est juste pour le moment arrondir les fins de semaine et voilà. Eh oui, comme nous tous, voilà. Pas de soucis. Bon, bah, nickel, mais en tout cas ça me fait plaisir que même hormis le fait que la famille O'Connor ne fera plus partie de la mine, elle en fera encore partie, mais d'une autre façon. Effectivement. Et ça, plaisir partagé, messieurs, en tout cas. Eh bien, nickel. Bah écoutez, quel jour on est ? On est mardi. Disons que mardi, ça prend effet à partir des lundis. Donc nous verrons tous les lundis pour le paiement et pour un petit peu le débrief de la semaine, si besoin. Donc à partir de lundi prochain, Soucis. Écoutez, là, nous allons travailler à partir d'aujourd'hui, hein, évidemment. Mm-hmm. Et vous enlèverez un jour, on fera un petit calcul à la con et voilà. Moi, je serai toujours sur les lieux. Hein. D'accord. D'accord. Bah, demain, du coup. Eh bien, en tout cas, je sais pas si vous avez mon télégramme, si jamais. On a tout dans notre livre de comptabilité, vous inquiétez pas là-dessus. N'hésitez pas à me contacter si besoin, si des hommes. Si vous venez de vous faire braquer, envoyez-moi un télégramme. Et nous, on essaie même de les horaires. Très vite. Les horaires avec Olivier, en général. C'est généralement le soir, j'imagine, qu'ils vous braquent. Non, ça peut arriver justement en après-midi quand ils savent qu'il n'y a pas de shérif en ville. Ok, c'est intéressant de savoir. Ça peut être très tard le soir, ça peut être en début de soirée, ça peut être l'après-midi, ça peut être le matin, on a eu tous les cas de figure. Ok, bon bah sachez qu'on n'arrivera pas toujours, hein. Je pense que vous n'êtes pas naïf, on n'arrivera pas toujours les avoir sur le fait, mais ils auront des conséquences par la suite. C'est ce sur quoi il faut compter. Bien plus qu'une amende. Voilà, et bien plus qu'une amende. Bien plus qu'une amende, effectivement. Ouais, j'espère bien. Eh bien, écoutez, messieurs, je vais vous remercier une dernière fois. Et puis, si c'était bon pour vous, je vous laisserai ressortir. De toute façon, on va sortir nous aussi, messieurs. Ben, merci à vous et on se recontacte très vite. Merci, messieurs. À bientôt. Merci. Bonne fin de soirée. Juste, vous préférez faire 5 ans, du coup, pour le recrutement pour moi. C'est parfait. Il faudrait que je te dise quelque chose aussi, Declan. Ouais. Par rapport à ce pourquoi nous sommes ici. Ouais. J'ai entendu certaines informations. Ouais. En train de lesquelles ? Il y aurait des marshals d'Anko. Il y aurait Delmar. Comment ça, des marshals? Je ne sais pas lesquels sont-ils, mais des marshals auraient aidé Lyra à cacher cette chose et qui nous appartient. Certains marshals ici auraient l'information de où ça se trouve? Ou je sais pas du tout. C'est pour ça que je vais laisser traîner les oreilles encore. Ouais, bah, de toute façon, il va falloir qu'on ait des infiltrés. Hein. Je tiens à vous le dire. Bon, c'est foutu train là. Est-ce qu'on... Bon, attendez, on va aller à la maison et on va voir. J'ai peut-être une idée là de comment faire. Je vais juste remplir ma gourde. Bon, par contre, il va pas falloir que ce soit des paroles, hein, ce qu'on a dit. Il va falloir que ce soit réel et que tout le monde ici aille... De toute façon, moi, je suis là assez tôt, donc... C'est vous, monsieur O'Connor ? Douglas, alors. Monsieur O'Connor, ils m'ont braqué parce que je devais avoir un rendez-vous avec vous. Je vous ai vu, ouais, je vous ai vu au loin, mais je me demandais si vous n'étiez pas de mèche. Vous m'en posez des questions sur vous.
Sur moi? Arrête de gueuler, oui. Rokidou. Du genre? Mon crossé, il m'a dit, ouais, c'est pas normal que t'aies un rendez-vous avec lui. Je lui ai dit, je dois juste avoir un rendez-vous à la mine, parce que vous connaissez les patrons. Attention, parce que lui, il te met une claque et... J'ai vu ça. Un moment. Allons sur le ponton, comme prévu juste vous avant. Vous protéger cette fois-ci. Ouais, allez, vous inquiétez pas, suivez-nous. Je reste à côté de vous. Liam Cole, venez. Oui. On a trop de flow, frère, sa mère. Eh les gars, quand on va commencer à devenir un groupe giga puissant, ça va être du sale. Je crois que Liam, il a pas entendu. Allez lui dire. Que je vais sur les pas trois fois plus nombreux que vous. Bonsoir. D'accord. Le bonsoir. Bon. Il y a un cigare si vous voulez, j'ai envoyé une boîte. Ouais, merci, c'est gentil. Nous avons essayé de chercher, du coup, pour le moment, là, ce soir, pas de train en service, mais comme je l'ai dit à Liam, demain, à l'heure que vous nous avez demandé, il y aura bien évidemment un train qui vous attendra à la sortie de votre affaire. Donc, nous y veillerons. Demain, je suis sûr d'avoir un train qui va m'attendre là-bas. Certain. Sauf si, le seul moyen, c'est qu'il se passe la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aucun cheminot ne travaille. Mais là, sachez que... Oui. À l'issue de cette discussion, nous allons quand même encore chercher cela, etc., etc. Donc nous verrons bien. Donc si je vous donne votre dû, demain j'aurai quelque chose, on est d'accord? Ouais, bien sûr. Sans aucun doute. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour y arriver. Eh bien. Y'a pas? Oui. Automatique ou pump? Oh, je pensais qu'on commençait par un pump. Très bien. Bah, tu l'as voir? Je vais l'avoir sur moi, je l'ai donné à qui? Donnez-le à moi, peu importe. Et ça canne, ils nous ont carré, frère. Chic, cette récompense est pour tout ce que vous avez fait pour nous aussi. Ah. Ça a toujours été un succès. J'ai déjà... Ouais, malheureusement, je peux pas la prendre, en fait, attendez. J'ai peut-être de la place, moi. Ouais, essayez de le donner à Cole. Ouais, Cole. Bah, en tout cas, merci beaucoup de... Nous sommes vraiment redevables envers vous. Merci bien. Vous nous avez bien, bien aidé. Et je pense que... Bon, c'est mutuel, mais... Mais les choses vont commencer à s'agrandir pour nous. Et je pense que ça risque de prendre une toute autre dimension. En tout cas, je l'espère. Dans quel sens? Dans le sens où nous allons essayer de contrôler ce côté-là du pays. Là où vous siégez. Il a essayé de faire, c'est ici. Il a essayé de prendre Annesburg, Van Horn. C'est ça. Nous allons virer ces orphelins puceaux. Et voilà. Dans un premier temps, chaque chose en son temps. Mais vous savez, il faut se méfier de l'eau qui dort. Ouais, mais il y a aussi un truc qui dit qui vient à temps à qui sait attendre. Qui vient à point à qui sait attendre. Tout vient à point à qui sait attendre. Oui, tout vient à point à qui sait attendre. Bon, nous sommes... Apparemment, vous connaissez pas très bien la situation, mais on avait compris. Oui, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on n'est pas naïfs. Hein. Nous sommes encore sur nos premiers pas aux États-Unis, mais l'ambition, c'est important. Il faut déjà préparer l'avenir pour que le présent se passe bien. Sinon, si on ne rêve pas de plus grand, quel est l'objectif de se battre chaque jour? Voilà, bête de phrase. On se bat pour quelque chose qu'on a déjà. C'est vrai, mais là, pour le moment, personne ne se dresse sur notre chemin, à part ceux qui peuvent nous écraser en un seul coup. Donc... C'est pas souvent ça le souci. Hein. Eh oui. Hein. On n'a jamais de souci à part qu'on sait être un bison qui est arrivé. C'est ça. Quand on marche dans la forêt, notre seul problème peut être un ours. Mais moi, j'ai peur. Je peux avoir peur d'un loup ou d'un cerf. Hein. Attention, il faut se méfier de tout. Hein. Pas que des ours qui sont gros et des bisons qui peuvent nous foncer dessus. Ouais, mais c'est pas la petite qui va manger la grosse. Ça, maintenant que j'ai un fusil, vous l'avez dit. Enfin bref.
En tout cas, nous allons nous remettre sur votre l'histoire du train là, dès maintenant. Oui. Parce que y en a pas trop qui tournent là. On va essayer de s'y remettre. Et demain, on va tout donner pour que votre train soit là à l'heure. Très bien. Et en tous les cas, demain, vous allez voir, on sera là, on sera dans cette banque même. Ok. Donc si vous avez des fonds, je vous conseille de les retirer. Ah, ouais, je vais les enlever dans ce cas-là. Autre question. Nous savons que vous aviez encore du matériel, là, de l'herbe. Est-ce que ce serait possible d'en prendre, là, actuellement? On a oui, bien sûr. 500 Il n'y a pas combien? Il n'y a pas, t'en as combien? J'en ai 100. Un peu plus? T'en as pas 104, genre? J'en ai 110. Parfait. Attends, je fais marcher mon cerveau. Ça fait 110 x 2, 220. 110 x 2, 220. Tu as dit que t'avais combien? 400? J'ai 500 là. À 500? Ça, en fait, 500 ça fait 250. Bon, on a les 250. Ok, écoutez, quand vous voulez, on est disponible. On est très dispo là, si tu veux avoir un endroit, on se rejoint et puis voilà. Comme tout à l'heure. Elysian Pool, au niveau du village pêcheur. Oui, très bien, parce que là-bas où on était tout à l'heure, c'était notre camp provisoire pour un petit moment, donc... Ok. Parfait, du coup, Elysian Pool, alors. Elysian Pool dans 10 minutes. Allez, je finis juste mon cigare. On regroupe ce qu'il faut et on sera là. À tout à l'heure, dans ce cas-là. À tout à l'heure. Merci. C'est à très tout à l'heure. Du coup, je vais enlever tout ce qui est dedans. C'est ce que je viens de faire. Non, je croyais pas. Désolé. C'est ma faute à moi. T'inquiète. Moi j'ai quoi? Comment on dit? Qui sait attendre, attend. À point de à point qui sait. De qui sait faire, de toute façon. Bah oui. Qui vient à point, qui sait tout faire. Eh oui. Qui vient à point. Qui... À tout vient à point, à qui sait être tendre. Voilà, c'est ça la vraie. Voilà. Exactement. Allez, ouais, deux coup, subs. Ah, tu peux poser les 50 charbons. C'est pas ça son nom, jeu. C'est mon ancien, ça. C'est. Tenez, y a des... J'ai mal. Ah, tu m'as eu. C'est vrai. Pour être honnête, il faut. Et venez voir, je sais où on pourrait mettre une coffre. Moi, je propose qu'on mette des poubelles des deux côtés, comme ça personne rentre. Oh. Ouais, j'aime bien. Très bon. Au moins caché, vous voyez. Il va falloir voir si on peut louer par contre des maisons là ici. En face. Ça ne sert pas à grand chose à partir du moment où on a un coffre. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. C'est gaspiller de l'argent en réalité. C'est clair. Ou même ici, venez voir. Franchement, Vanorn, les gars, vous en pensez quoi que ça devienne notre ville? Notre groupe, genre le QG du groupe, c'est la ville. Franchement, moi, je trouve ça stylé. Hein. Et même, en vérité, vous savez ce que je trouve bien. Ah, c'est mieux ici, c'est mieux ici. Ah, ici, c'est largement mieux, je pense. Bien mieux, bien mieux. Ça fait moins dépravé. On le met ici, vous voyez, regardez. Mmh. Oh, elle est grande, en plus, le balcon. Ouais, on va pouvoir regarder d'ici. En fait, vous savez ce que j'aime bien aussi avec le fait qu'on soit ici. Ça montre... par rapport aux gens qui ont un petit camp, une petite maison, un manoir et tout, contrôler une ville entière qui est la nôtre. La symbolique, elle est meilleure. La symbolique, ouais, ça montre que la puissance est différente quand même. C'est vrai que c'est un signe de puissance de contrôler toute une ville. Mais il n'y a pas encore des loyers qui sont ici. Il faut vérifier chez le maire. Cela sert à rien. De quoi? Je vous le dis, à partir du moment où on a le coffre... Non, on m'avait pas compris, Liam. Pas pour que nous, on en achète. Pour vérifier qu'il y ait vraiment plus personne ici. Ouais, on dirait un peu l'endroit dans Peaky Blinders. Mais la dernière information que j'ai eue, c'est que les margoulins se sont fait tuer. Et vous savez quelque chose... Non, mais des habitants, hormis les margoulins. Il y a pas de shérif ici. Il y a pas de shérif de Vanor. Il y a pas de bureau de shérif, non. Ah bah c'est normal, à Pittsburgh, c'est à 200. Ouais, mais regardez, pour vendre ici... Non, non. Problématique. Ils vous allument à toute patate. Bah, sur 5 personnes, il y en a 8 qui vous tirent dessus. Ici, pas du tout. Si, si. Ah, si. J'ai vendu tout à l'heure ici, je me suis pas fait tirer dessus une fois. Alors, oui, mais ça dépend, c'est vous et votre chance. Okay. Il suffit qu'ils soient un peu aigris, ils sortent un pistolet et tout moi, le monde j'en ai... sort. Moi j'en ai fait sur 3, 2 m'ont tiré dessus, 1 m'a frappé. Ok, ah bah. Et venez, je vous montre ça aussi.
Bah franchement je pense qu'il n'y a pas photo, hein. On va se mettre ici. Un lieu où on pourra faire des échanges commerciaux avec des charrettes. Commerciaux. Ah oui, je suis passé tout à l'heure, c'est une grange. Très bien. Bon, on va contrôler ici, ce sera mieux. Donc vous voulez que je mette où le coffre? En haut là où vous étiez. Ouais, là où t'as mieux, dit. Et venez, et vous voulez quoi comme code? 6969. Non, c'est non, code à 3 chiffres. 667. 667. Non, ça c'est potentiellement un shérif pourrait le tenter. Ouais, c'est vrai. 157. Ah, attendez, non, 157. On va le noter sur un papier. Oui, voilà. 157. On a les réflexes quand même de l'ancienne école, hein. On n'est pas naïf. De quoi? Voilà, mettez-le là. Ouais, il va définir un code, mais ce que tu veux, hein, tu mets... Mets 157. Non, mais mets ce que tu veux. Mets ce que tu veux et tu mettras un petit papier. Mets 157. Si ça représente quoi pour moi, Cole, ce chiffre? Dis-moi. Rien. T'es enculé. Mon dieu, c'est donc officiellement aujourd'hui qu'on contrôle une ville. Bon, un petit pas village, mal. Hein, mais... La famille O'Connor commence à prendre de l'ampleur. Hein. Effectivement. C'est vrai. On pourrait surtout faire pipi par en haut. C'est... Les Margoulins au moins sont hors jeu. C'est ça qui est le plus important. Oui. Mais on... Non. J'allais te dire... C'est pour les déplacements entre... Cependant, il va falloir propager l'information que Xanor nous appartient. Bah si c'est su du grand public à Hansberg, ce sera su partout. Hein. Allons voir le maire de Hansberg. Ouais, dès maintenant, c'est parti. Ça va être cher. Ah, c'est payant. Bah oui, bien sûr, mais on peut faire un prêt à la banque. C'est pas un problème. Cher, c'est quoi que t'appelles cher? Oh, je pense que ça va être 1000 ou 2000 dollars. Mais comment ça payer un endroit, mais nous on le revendique niveau business? Non, c'est on pas s'en ça, fout. Je parle du saloon. Non, mais on parle du pub. Ah oui. Qui ne s'appellera plus saloon d'ailleurs, qui s'appellera pub. Quoi pub? Bah. Il est con, lui. Il est con, quoi. Quoi? Par chez nous, ça s'appelle comment un saloon? Ah, pub. Pub. Ok. Ça s'appelle un pub. Pub, il a dit. Non, je dis, moi je l'appelais pub. Non, je savais juste pas. Ce cimetière au-dessus, hein. Il va être à moi. Tous les jours. Ah oui, par contre, la réalité des choses, c'est qu'il faudra vraiment jouer le jeu de surveiller. Ah bah oui. C'est bah pas laisser les villes à l'abandon, parce que du coup, on perdra toute notre crédibilité. De toute façon, d'ailleurs, j'ai contacté notre père par Telegram. Toujours pas mort? Non, toujours pas, non. Dommage. Il m'a dit qu'il allait nous envoyer des hommes de confiance. Oui, c'est parfait. Alors parfait. Qui, je ne sais pas. Si c'est certains de nos frères, je ne sais pas. Et voilà. Et en tout cas, il m'a dit de préparer plusieurs bouteilles, donc je pense qu'il y a Connor. Je pense que je serais très content si lui aussi vient. Les gars, Habib, il s'appelle Connor O'Connor. Connor O'Connor, je vais le baiser. Ouais, bah... Moi aussi, mais bon, je pense que ce serait mauvais. Notamment. Sans vous mentir, bon, vous commencez peut-être à nous connaître, parce que ça fait un petit moment que nous sommes sur Hansberg. Nous travaillons avec la mine depuis un bon moment. Bon, maintenant, nous n'y travaillons plus vraiment, mais sous d'autres conditions. Nous assurons leur sécurité, etc., etc. Voilà, nous faisons ce que les shérifs ne sont pas capables toujours de faire. Mais hormis cela... nous sommes actuellement en train de nous installer à Van Horn pour vivre tout simplement, mais surtout nous avons entendu parler que le saloon avait été était désormais à l'abandon. Malheureusement, les Margoulins sont morts. Malheureusement. Quelle triste nouvelle. Bon, ils sont pas tous morts, mais ils ont plus quitté le territoire, surtout. Ah, dommage. Mais voilà, on a appris que le saloon était actuellement libre et nous voulions savoir avec vous quelles en étaient les modalités. Alors ça dépend en fait ce que vous appelez par famille. Est-ce que vous avez des activités
parce qu'en fait, en gros, si vous préférez, en fait, pour le pour l'obtention en fait d'un saloon du coup sur Van Horn, en fait, il faut me faire un dossier, ouais, avec une présentation du coup de vous, vos projets, le capital de départ, le capital de départ de ce que vous avez, donc ouais, l'argent, les disponibilités. Mais je sais que vous êtes souvent là, donc ça devrait le faire, mais faut ouais, quand même les faut quand même le noter, et les événements que vous pourriez proposer. Voilà, c'est tout ce qu'on demande sur à Annesberg en tout cas. Pour ce qui est le prix du saloon, du coup, ça dépend. Le saloon actuellement coûte 1000 dollars. De maintenant. Ok, 1000 dollars. Intéressant, mmh, intéressant. Bah, ça pourrait le faire de notre côté. Ça pourrait, oui, ça pourrait totalement coller. Nous souhaiterions vraiment animer Van Horn comme une province entre guillemets d'Annesberg, qui est une ville où il y a quand même pas mal d'activités au final. Et je pense que voilà, ça peut être un bon petit endroit. Ah bah c'est une ville de passage en fait. Voilà, c'est une ville de passage entre Saint-Denis, justement, et puis Annesberg. Et puis comme à Saint-Denis il y a souvent du monde, et puis comme Annesberg en ce moment ça vit aussi, donc quoi qu'il arrive vous aurez souvent des clients sur Van Horn, donc. C'est vrai que vous êtes quand même beaucoup, donc ça devrait le faire, je pense, pour ouais, mettre en avant le saloon. Ça tournera bien. Et je pense que nous essaierons aussi de travailler, de nous associer avec des gens pour avoir des employés qui seront régulièrement là. Donc oui, ça pourrait nous intéresser. Bah écoutez, je vais essayer de voir pour préparer ce dossier à la machine à écrire. Si vous avez des questions, faut pas hésiter quoi. Ouais, donc on vous note notre projet, nos motivations. Ouais, c'est qui ça. Qui sera le patron, qui il est. Ouais, patron, copatron, si vous en avez un. Les événements, le capital que vous avez, les disponibilités du patron, du copatron, puis voilà. Les événements, ça moi c'est ok, c'est correct. Ok, intéressant. Bah écoutez, on va. Pas plus, hein, voilà, y a pas plus de choses que je demanderais. Ouais, bien sûr. Je sais qu'il y a certaines villes, ils aiment bien demander beaucoup plus, mais en vrai. Oui, non, mais nous ferons simple, concis, mais efficace. Voilà, sachez-le. Tout à fait, c'est ça. On est là pour être sérieux, on ne va pas prendre un saloon pour rien y faire, donc voilà, en sachant que l'un de nos frères était un grand chanteur en Irlande, donc on pourra l'animer avec des soirées de chant, etc. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, ouais, je sais pas, je vous sens bien motivé. Ouais, bah vous voulez vraiment relancer vraiment la ah ville. Oui, littéralement, Van Horn, bah comme vous souvenez, la première fois que je vous ai rencontré, on avait parlé d'un commerce de maritime, ça, ouais. Donc de bateaux. C'est vrai que Van Horn, il y a un port, donc ce sera, ouais, voilà. C'est pour ça. Nous ne voyons pas aussi loin que Annesberg parce que je pense que les moyens seront différents et surtout, bah la plupart des entreprises sont déjà prises. Bon après je sais pas si vous voyez gérer les artisans ou j'ai vu l'armurerie aussi, mais non c'est pas l'armurerie a été reprise ce soir, ça y est, la nouvelle propriétaire est présente, tant mieux alors. Une nouvelle propriétaire est présente et j'ai potentiellement du coup aussi quelqu'un à la reprise de la distillerie de la norme, voilà. Ah bon bah c'est déjà bien que ça avance. Ah bah oui, moi ce qui me fait de la peine également c'est que ici il y a beaucoup de saloons, ouais. Voilà, on est dans le Far West, hein, mais vous savez nous on vient d'Irlande, hein, on veut rebaptiser le premier pub des États-Unis. Évidemment. Bien sûr, tout à fait, être le premier, c'est ça ? Exactement, le premier pub à vendre de la bière brune. On veut remettre le bon goût de la bière et surtout que si à la distillerie de Van Horn, on essaiera de bosser étroitement ensemble. Oh bah de toute façon c'est ce qu'il faut. En vrai vous avez de la chance d'avoir une distillerie à côté parce que sinon vous auriez été obligé d'aller jusqu'au Austin. Ouais c'est clair. Mais sachez que voilà, notre père nous a tous inculqué cet art de la distillerie. Nous savons faire de la bière vraiment de très bonne qualité. Donc nous serons vraiment principalement un bar à bière, évidemment un bar alimentaire. Afin que tout le monde puisse se nourrir et il y aura beaucoup d'événements, voilà, enfin bref, on vous mettra tout ça sur papier et voilà. Ah, après sur le papier c'est une formalité, après il faut passer à l'acte quoi. Ouais bien sûr, ouais, ça c'est évident. Mais je sais pas, je vous sens bien, faites un dossier et puis donnez-le moi et puis comme ça après moi et ma femme on regardera scrupuleusement du coup le dossier et puis... Ok, parfait, bon écoutez on est au courant, 1000 dollars. Moi vous avez toutes les informations, voilà. Vous êtes bien. C'est parfait, et bah écoutez merci beaucoup monsieur... J'ai une petite question. Oui, dites-moi. 1000 dollars. 1000 dollars, 1000 dollars, vous savez que c'est une somme conséquente quand même. Bah, tout à fait. Sachant que vous savez très bien, ça fait pas très longtemps que nous sommes arrivés. On commence tout petit, vous voyez,
On essaie de faire de la mine, de travailler par-ci par-là. Je vous dis, les gars, le groupe, quand il va grandir, ça va. Je voulais savoir, au niveau des prêts bancaires, est-ce que c'est toujours possible ou pas? C'est possible, mais comme ici, il n'y a pas de banque. Enfin, il n'y a pas de banquier ici. Ben, la banque de Saint-Denis. Il n'y a pas de banquier à Saint-Denis non plus. Par contre, à Rhodes. Il n'y a pas de banquier à Saint-Denis? Non, il n'y a pas de banquier à Saint-Denis. Il n'y a qu'à Rhodes où il y a. Et bien, la banque de Rhodes. Bah, vous pouvez toujours faire après. Après, il faut expliquer le projet. Il faut expliquer le projet à la banque. Et puis après, bah, après, c'est à la banque de voir si c'est possible d'effectuer un prêt. Hein. Eh ben, sans problème. Ça, malheureusement, je ne peux pas vous dire grand-chose par rapport au prêt. Ben, c'est parfait. C'était juste pour rapport à ça. C'était possible de faire des prêts pour régler la somme des 1000 dollars, du coup. Oui, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est quand même un gros chiffre, quand même, 1000 dollars. Hein, mais en vrai, en effet. En vrai, si j'entends. En fait, si j'entends surtout. Declan, c'est ça? Oui, bien sûr. Si j'entends Declan, en fait, après, c'est surtout sur l'envie. C'est la rentabilité, ça sera sur le long terme. Quoi qu'il arrive, les 1000 dollars, vous allez vraiment vite les rentabiliser si vraiment vous faites vivre Van Horn, vous J'sais invitez les si gens, un, vous démarchez, salon, vous faites venir, vous faites des événements réguliers. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'argent. Le but étant de faire revivre cette ville qui a été, entre guillemets, laissée à l'abandon suite à des balandrins qui se sont appropriés le territoire, vous voyez. D'ailleurs, est-ce que ça serait possible de rajouter quelques habitations, histoire d'essayer de faire venir des gens qui habitent à Van Horn? Bah, en fait, je peux vous cacher que ça fait longtemps. J'y ai joué pendant une heure juste avant là. Moi, j'ai essayé de voir en fait les possibilités de changer certaines maisons pour les rendre un peu plus, vous voyez, un peu plus joviales quoi. Mais, c'est ça. Après, c'est un peu plus salubre, on va dire. Voilà. Parce que là, ça fait craignos, ouais. Ça, je vous cache pas. Surtout au niveau du port, hein, c'est un peu dégueulasse, il y a des trucs partout. c'est chiant. Mais non, j'ai essayé de faire tout mon possible, je vous avoue que ça, c'est pas dans ma juridiction. Mais c'est en cours, sachez-le. Parfait. Sachez-le que c'est en cours. Voilà. C'est okay. Bon à savoir. Bon, bah parfait, c'est bon à savoir, effectivement. Eh ben, écoutez, on se revoit au plus vite. Nous, on vous communique ça. Ouais, y a pas de problème. Rapidement, et voilà. Oui, y a aucun souci. Merci pour votre aide, en tout cas, disponible. Merci, monsieur le maire. Bah, de rien. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous, monsieur. Ouais, bonne soirée à vous. Je le reverrai jamais. Bonne soirée, monsieur le frérot. Bonne soirée. $1000, c'est vraiment pas cher. Hein. Oui, ça va. C'est comparé abordable. À 3 ou 4000 dollars pour la Bastille. Bon courage, le Connor. Merci. Merci. Ouais, non, je trouve que c'est 4000 dollars la Bastille. Oui, 4000 dollars la Bastille. C'est quoi la Bastille? C'est le salon principal de Saint-Denis. Ah oui, c'est le principal. Ah, c'est oui, celui okay, sur la okay. Grande Allée, là. Oui, ok. J'ai cru que tu me parlais du petit, là. J'ai dit, Après, en réalité, ça se comprend. Ça reste quand même... C'est l'emplacement, en fait. Oui, c'est ça, quoi. C'est littéralement l'emplacement le plus attractif de tout Saint-Denis. Donc... Du coup, attends, je vais... Oui. Je vais aller quand même consulter mes télégrammes. Qu'est-ce qu'on a à faire, là, Liam? Pas grand-chose. Ah, René. Aïe! Zoubir! Ça se trouve pas ici, comment ça fait ici, ça? Comment vous allez, mon chien? Tiens, venez me voir, René, venez me voir. René le français. Eh ben. C'est bien ça. Moi qui pensais que vous alliez pas avoir le courage de revenir ici après m'avoir menti droit dans les yeux dans un saloon. C'est ça, dit. Hein? C'est-à-dire, vous vous souvenez pas d'Eklan O'Connor, ça ne vous dit rien? Bien sûr, si je vous connais, bien sûr. Vous étiez... Bah, nous avions parlé que vous alliez travailler à la mine, que vous alliez... Effectuer des choses, où sont-elles ces choses-là? Bah, j'ai travaillé à la mine et je vous ai cherché hier, parce que je me suis... Je suis pas levé avant hier, je suis hier, machin. Je vous ai cherché ici, pas trouvé en Celdra dans cette vie. Et là, je suis revenu justement. Travailler à la mine. Oui, j'ai fait ma tournée, j'ai réussi à avoir un peu d'argent, etc. Et donc, justement, je vous cherchais. Je ne vous ai pas vu dans les rapports de comptabilité de la mine récemment. Hein. Ah, moi j'ai travaillé en intérim parce qu'il n'y avait plus de place pour les salariés. D'accord. Eh ben essayez d'aller voir, hein. Peut-être qu'il y aura à nouveau des places là. Normalement, il y a des places qui sont libérées. Monsieur Connor, je crois pas bien comprendre parce que. Alors.
grosso modo, vous voyez ici, il fallait que je travaille la bille. Chose que j'ai faite. J'ai ramassé de l'argent grâce à la bille. Et là, le deal, c'était travailler la bille, gagner de l'argent et je vous achète. Je peux vous acheter oui, la marchandise. Exactement. Chose que j'ai faite. Ah, après moi, je voulais vous parler parce que je n'ai jamais entendu parler que vous travaillez à la mine. Donc je vais aller vérifier que ce soit vrai déjà pour commencer. Et dans un second temps, ce que je vais vous demander, parce que vu que vous n'avez pas encore travaillé, je vais vous demander de me ramener un œil d'humain. Trouver une manière, peu importe laquelle, de me trouver un œil, mais je veux un œil d'humain. D'accord, donc, si je comprends bien, pour pas vous offenser, loin. Mais le deal a encore changé, c'est bien ça. Je vais aller vérifier si vous avez travaillé à la mine. Moi, ce que je vous ai offert à la base, c'était un travail. Moi, aujourd'hui, je vous avais proposé quelque chose la dernière fois, qui aujourd'hui a évolué. La marchandise que je vous ai proposée, j'en ai encore, mais j'ai encore plus rentable que ça. Mieux. Si. D'accord, si ça y est. De quoi ? C'est-à-dire. Mieux. Vous voyez, avant vous alliez investir de l'argent et gagner le double. Là, vous allez gagner le triple. D'accord ! Mais c'est super ça ! Exactement. Et vous aurez peut-être de meilleures quantités. Donc trouvez-moi un œil humain, je vous paierai. Tout ce que vous me ramenez en plus, que ce soit des organes, ce que vous voulez, ramenez-les moi, je vous les rachèterai. Et une fois que vous m'avez fait tout cela, on vous vendra le produit en question. Je vous. Oh putain, Sofio. Je voulais lui prendre son œil, là, j'aurais couché dans la poche, il aurait pu servir direct à se tromper dessus. Ah, ne faites pas ça ici, ça risquerait de faire paniquer tous les gens d'Annesburg. Ah, d'accord. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Bon, alors écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais bidrouiller, il faut essayer de se trouver en si seul, ou quoi que ce soit, en PQ, d'ailleurs, assez, oui, pas de soucis. Hein. Moi, j'ai les mains faites pour ça, mon pro. Ce que vous faites, c'est que vous m'envoyez un télégramme lorsque c'est fait, d'accord ? Mais je n'ai pas votre télégramme. C'est le 2856. 2856. C'est noté ? C'est noté, oui, j'ai tout noté dans ma tête. Parfait. Eh ben écoutez, on se tient au courant, monsieur René. Et cette fois-ci, ne manquez pas votre parole. Bah, j'ai pas de soucis, écoutez. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ça. Et on s'en va aller faire les trois trous, on s'en va, pas de soucis. Parfait. Ben moi, je préfère les restes courtes que les restes. Merci, merci pour votre présence. J'ai reçu Attends, on est quel jour ? On est jeudi ? Jeudi, oui. Demain, je reçois la commande de sucre aussi. Oh, pas mal ça. Je sais pas pourquoi il m'a refait une commande de sucre, c'est toi qui as demandé. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il y aurait une 6 sans sel ? Du quoi ? Une 6 sans sel. Une 6 sans sel ? Non, une 6 sans sel. Une petite fontaine ? Joli, si vous voulez. Là, derrière, là. Juste derrière, là. D'accord, merci, Loujou. Voilà. Une siphon saine. On en a besoin ou pas du sucre, Liam ? Et bah, il est. Je crois qu'il. Il est situé, là. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit. On va aller bouger de ce qu'il y a de la maison au coffre. Ouais. Chez Con. Bonsoir. Chez Con, les guéris. Et bonsoir. Très oui, bien, je vais bien. C'est les Mohawks ? Exact. Ah, j'espère que vous allez bien. Très bien, et vous ? Oui, très bien, très bien. On est toujours à la recherche de cet œil humain. Pour le moment, on ne le trouve pas. Il y a des hommes qui sont en train même actuellement de faire ça, mais c'est vrai que ça reste assez rare. Cependant, les tableaux, on les a depuis le lendemain de notre entrevue. Donc, si vous voulez, je peux vous les donner. D'accord, si d'accord. Je vais réfléchir à ça, mais moi j'ai une petite question, les guerriers. Oui. La dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais demandé si vous aviez acheté à d'autres personnes. Vous m'avez répondu que oui. Ouais. Vous avez acheté à qui ?
Ah, malheureusement, ça, je pourrais pas vous le dire, hein, monsieur. Hein, parce que sachez que si je travaille avec vous, je ne dirai pas à vos adversaires que je travaille avec vous. C'est bien vrai, c'est bien vrai, c'est honorable de ta part. Mais moi, je le sais. Ouais, ah, ça peut être, hein, vous savez. Apparemment, il... Genre, je sais pas comment ces personnes l'ont su, hein. Mais il y a des guerriers qui m'ont dit que vous aviez un très bon prix, même. Pour la petite herbe verte. Il est vrai. J'aimerais vraiment le prix. J'aimerais vraiment le prix, guerrier. Que tu me le confirmes. Dites-moi, je vous confirmerai si c'est la vérité. Deux petits billets. C'est ça, Liam? Oui. Oh, ça m'attriste fortement. C'est vrai que c'est vous qui m'avez parlé de votre projet de faire augmenter le prix, n'est-ce pas? Oui, dès demain, ce sera fait. Ah, bah c'est vrai que... Pour le moment, certaines personnes... ça n'a pas pris effet de leur côté. Est-ce que normalement, dire, ça devrait l'être. Est-ce que j'ai une petite question dire qu'on remonte la dernière vente, oui? Aujourd'hui, non? Quoi? Liam. Oui, je crois. Oui, oui, certainement. Aujourd'hui, oui, au même prix. Avoir la réponse, plutôt dans la journée, chef. Oui. Avoir la réponse. Ça, tu me l'assures, parce que je te garantis que si tu déclenches une guerre entre deux familles... Oh, attendez, laissez-moi réfléchir. Liam, t'en as acheté aujourd'hui ou pas? Plutôt dans la journée. C'était hier, je crois. Parce que j'ai interdit. Change pas ton discours parce qu'on vient de le dire, oui. J'ai interdit à la tribu Sakani de vendre deux petits billets. Ça n'a aucun sens de vous mentir, hein, de toute façon. Oui, oui. Si vous avez les informations, c'est qu'elles sont mal cachées et que, comme on dit, les murs ont des oreilles. Donc, c'est leur problème. Je sais pas si on en a acheté aujourd'hui, en tout cas. Je crois que c'était hier soir, la dernière. Bon, vous avez l'air sûr que c'était aujourd'hui pour toi. Bah, oui. Moi personnellement, je n'étais pas là, mais c'est Liam qui a géré cet après-midi. Donc, Liam, est-ce que tu l'as en acheté? Non, j'ai pas acheté aujourd'hui. Ah voilà, donc c'était hier soir. Ça a vite changé quand même. Hein. Ah bon? Ça n'a pas vite changé, hein. Je vous ai jamais dit que c'était sûr que c'était cet après-midi. Bon, ton petit gars, il avait l'air sûr pourtant. Bon, c'est pas. On va laisser le bénéfice du doute. Mais normalement, oui, si jamais il y a ça, par contre, alors ce sera tant mieux pour vous. Hein. Pour cette fois, oui. Mais le prix, normalement, il est de 3 petits billets à l'heure actuelle, minimum, okay. Et il montera à 3,5. Ok, d'accord. Donc, moi je te le dis, guerrier, s'il y a des gens qui te le vendent moins cher, tu as plutôt tout intérêt à venir me le dire, je te retirerai pas ton herbe, ta petite plante. Mais par contre, moi je vais être au courant. Au minimum des prix qui sont pratiqués par les autres. Parce que tu te doutes bien que si jamais on met en place des prix et que si les gens ne les respectent pas, c'est un gros problème. Effectivement, c'est un problème. C'est un problème. Ben écoutez, nous verrons bien, hein, dans ce cas-là, si le prix augmente, nous suivrons la tendance, il n'y a pas de souci. Parfait. Il n'y a pas de souci. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous auriez aperçu des margoulins récemment? La dernière fois que je les ai aperçus, c'était à la lisière de ma forêt en train de me livrer à manger. Mais la dernière fois qu'on les a vus, c'était quand le saloon a cramé, oui. Oui. Le leur? Oui, le leur à Van Horn. Ok. Ben, sachez qu'au moins vous êtes au courant, nous nous habituons dans les alentours récemment, et nous avons pris le contrôle de Van Horn actuellement. Et nous comptons d'accord. Bien reconstruire ce saloon, et d'ailleurs le baptiser en tant que pub. Hein. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais... À coup ça arrivant au nord. Pardon ? Il est tout seul. Non, rien, j'avertis mes collègues. Oui. Mais voilà, donc nous allons nous installer sur Van Horn de notre côté. Comment vous très bien, très bien. Voilà, bah écoutez, tenez-nous au courant si besoin et dès qu'on aura l'œil, on revient vers vous. J'aimerais bien, tu as les tableaux avec toi ? Ouais, certainement. J'aimerais bien récupérer les petits tableaux. Je peux descendre, Liam. Et eux, c'est vraiment les scammers originels, hein. J'espère que les petits pistolets vous auront été utiles. Oui, oui. Vous avez l'air bien armé maintenant. Vous avez vu que, ouais, désormais on est passé à la gamme supérieure, mais ça nous a bien aidé, fut un temps. Bien parfait. C'est déjà ça. Dites-moi les guerriers, j'avais un petit accord, mais
J'y pense des échos qui font que l'accord ne pourra pas se faire avec d'autres personnes. Et j'aimerais me fournir des petits tickets Guarma. Oui. De manière régulière. Okay. Une trentaine par semaine. Ok. Ou une vingtaine plutôt par semaine. Ouais, c'est possible, on en a. Eh bien, écoute, combien tu les fais les petits tickets? La question piège. La question piège, effectivement. Question piège. Vous travaillez avec les Western Kids, c'est ça? Pas du tout, non. Ces fiantes ne travailleront jamais avec nous. On les vend combien, Liam? Personnellement, j'ai mon idée, mais... On les vend 1,5$. Oh la salope. Très bien. Ouais. Je les prends à ce prix si c'est le vôtre. Parfait. Bah, si vous avez de quoi payer maintenant, on a les tickets Guarma. J'ai de quoi payer maintenant, oui. T'en voulais 20 du coup? Oui, 20. Ah, c'est pas cher, hein. Ah, moi je les aurais fait à 4 ou 5, hein, frère. Je prendrai 20 petits tickets Guarma par semaine, d'accord? Ok. Donc, si vous les avez à chaque fois, ouais, bah parfait. Je mettrai le prix. Il n'y a pas de souci. Du coup, ça fait 30$. Je t'en donne 40. Parfait. Grand chef, on a un gros problème, oui. C'est quoi? C'est que le pal natif a bavé au Marshall, oui. Oh lolo. Je vais lui casser la bouche et lui enfoncer dans son fondement à cette fiente. Non, pas besoin, je vais l'égorger, ouais, ça va suffire, t'en fais pas. Oui, vous êtes violent quand même, hein. Oh, oui, si je te cuisine pas avant. Parfait, merci. Il y a des bien gros problèmes avec vous certaines savez, personnes. C'est la paix, pas la guerre. Oh, je ne suis pas très friand de... La paix, il faut la guerre, oui. Il le dit, mais il ne l'applique pas lui-même. Quand on se fait traiter de sauvages à tout bout de champ, ah oui, on se fait traiter comme des bêtes. Ah, c'est vraiment des enfoirés, ceux qui disent ça. Oui, ceux qui disent ça sont vraiment des sacrés... Sacré merde. Eh bien, en tout cas, toutes ces personnes, je les attrape. Oui. Et je fais en sorte qu'ils ne puissent plus pour parler. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez sur raison. Le long terme. Ah, et ce sera mérité. Hein, très bien. Voilà, ben, en tout cas, merci beaucoup. Et on se tient au courant si vous avez besoin. Très bien, parfait. Tu me vois un petit papier pour l'œil et ouais, quand tu as les 20 petits tickets. Parfait. Au plaisir, messieurs. Kalia. Kalia. Allez, les guerriers, on va au Wapiti. Bande de sauvages. Vraiment leur chien. Alors. Je savais qu'on allait faire ça. Putain, sauvage sans éducation. Ah, je suis une grosse salope. Allez, bon. 3. Seulement. Bah, on peut pas lui vendre plus, sinon il est en perte. Bah, non, il les vend à 12. 10-12. Oui, mais convertir en dollars. En dollars. Ah, oui. Ok, 3. 3, mais le problème c'est que du coup, si les Sakani continuent de la vendre à 2, mais s'ils nous la vendent à 3, c'est problématique. Ils vont pas nous la vendre à 3. Oui, j'imagine, mais bon. Faudra juste se taire et dire qu'ils nous la vendent à 3. Ok. Juste, tu peux me laisser prendre de la. Ouais, juste je dépose tout, hop. Du coup, on a 850 et il nous reste 174 à vendre. Combien? On a 850 là, on a. Ouais. Et il reste 174 à vendre. 174 Un peu plus. Un peu plus, puisque je sais que Chester, il en a dans son cheval avec de l'argent aussi. Waouh. Ah ouais, mais il y a autant. Ah ouais, mais 174, c'est 2000, ça, quasiment. Comment? C'est quasiment 2000$, ça. Comment? C'est quasiment 2000$. 174? Ouais. Oui, je sais. On aura 2008. Parfait, ben... Faudra qu'on les fasse partir. Vous savez, le couci-couça, c'est pas un truc définitif, vous savez. Oui, mais on perd ça. Bon, très cher René. D'ailleurs, vous êtes toujours à la recherche d'un travail? Bah, disons, je suis à la recherche de travail à droite à gauche, quoi. Tenez, déjà voici 5 petits paquets avec à l'intérieur de l'herbe médicinale.
C'est du A6, c'est du A6. C'est magnifique, ça. Donc ça, vous pouvez aller la vendre à Saint-Denis, à Nesbourg, à où vous voulez. Et vous pourrez en tirer un bénéfice si vous négociez bien avec les personnes. Vous pourrez peut-être les vendre à 10, 12 dollars. Donc ça, c'est en guise de remerciement de votre mission. Si vous voulez acheter, ce sera auprès de nous à 3 dollars unité. Ok. D'accord, on va écouter, je vais vous en acheter. Vous allez m'en acheter, parfait alors. Oui, bon, en fait, j'ai 20 dollars sur moi parce que là, j'ai pris le train en voyant ces rangs. Et ça va, disons, je pensais pas que le train était aussi cher. Ah oui, le train c'est cher, oui, effectivement. Donc vous avez 20 dollars. Oui, j'ai 20 dollars. Alors, ça va faire. Ça va faire. Ouais, 6, hein. 16 dollars. 18 dollars, du coup. À qui je donne ? À moi, des clans. Si vous êtes à la recherche de travail, nous allons obtenir ce saloon très prochainement. D'accord. Nous serons peut-être à la recherche d'employés. D'accord. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Je m'entendais quoi. Bah d'accord, excusez. Alors attendez, vous voyez ici. 20 dollars, c'est ça ? 18. Putain, c'est gros pays, celui-là. 18 d'argent. Celui. J'explose. Droit 6. C'est bon. Merci. Oui. Bon, vous avez tout. Exceptionnel, les gars, Vanor, non ? Si je vous dis je discute avec une gadji de fou malade, vous pensez que je mens ou pas? Je pense que tu discutes avec une gadji, mais je pense qu'elle ressemble à Joséphine Ange Gardien. Après, c'est pas une compétition, hein, mais. Oui? Et moi, je serai le couchi. Je fais le double, je fais le 200. D'accord, on passe aussi. Donc ce sera un concours du coup-ci en fonction de celui qui en vendra le plus à la fin. Voilà, tenez. D'accord, on fera le coup-ci, tout ça, pas de souci. Bon, merci, écoutez, monsieur Oclan, merci beaucoup pour votre présence. Merci de faire manger un petit peu dans sa gauche, parce que vous avouerez que l'argent, c'est un peu difficile dans ces sens qui courent. Ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous avez mon Telegram. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'envoyez quelque chose. Et nous, dès que le salon sera ouvert officiellement, eh ben, je vous recontacterai si vous voulez travailler ici, d'accord ? D'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Dois-je me méfier de certaines personnes ? Je sais pas avec qui vous avez des différends. Est-ce que dois-je me méfier de certaines personnes avec qui vous avez des différends ? Méfiez-vous de tout le monde. Hein. Si j'ai bien un conseil, méfiez-vous de tout le monde. Faites attention déjà au shérif quand vous allez vendre votre produit. Mais méfiez-vous de tout le monde. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire des affaires, nous vous avons tendu la main. Vous avez vu que nous sommes de confiance. Je vous déconseille d'aller voir ailleurs. Ce sont des arnaqueurs. Ce sont des arnaqueurs. Est-ce que vous connaissez. Vous connaissez par hasard en Erling? Je connais bien qui. Après, je suis gagné. J'ai gagné 20 dollars au total. Oh non, il s'appelle Ernie. Ernie ? Oui. Non, ça veut dire rien. Bah, je suis en bénéfice de. D'accord, parce qu'il travaille à la mine, mais il doit donner son télégramme et apparemment il peut vendre les crochets. Ernie, il peut vendre les crochets. Oui, apparemment il peut vendre les crochets. Je sais pas si vous pouvez en vendre ou non. Il vous les achète, il vous les vend combien ? Bah ça je sais pas du tout, il m'a juste dit écoute, je prenais 2-3 pelles dessus, si j'en ai croché, machin, si jamais je peux dire, je peux t'en vendre, machin. Bah demandez-lui le prix et moi je vous dirai si ce qu'on en pense. Mais d'accord, si parce que vous en avez, vous, les crochets ? Oui, bien sûr. Et ils sont à vendre ou pas ? Oui, si vous voulez, je peux vous en vendre, 2 dollars. 2 dollars unité ? 2 dollars unité, oui. D'accord, écoutez, je vous en dirai un Telegram alors parce que j'ai pas trop d'argent, mais pas de soucis.
Parfait, bah vous inquiétez pas, une fois que vous aurez... D'ailleurs, une fois que vous aurez terminé de vendre, revenez avec l'argent. On se chargera de vous l'échanger. D'accord, bah écoutez, si vous avez quand même accroché sur vous, je vais vous en prendre en sur vous. Est-ce que j'en ai ? Non, tout de suite, j'en ai pas. Ah, d'accord, on va écouter. Quand vous avez terminé de vendre, vous m'appelez, vous me donnez un rendez-vous et je vous ramènerai des crochets. Mais n'hésitez pas à noter dans le télégramme si vous en voulez, parce que je me balade pas avec ça tout le temps. D'accord, on va voir. Voilà. Allez, parfait. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Ils vont faire du cul. Puis on se dit à la prochaine. Et à la revoyure, quoi, comme on dit. Ah, avec plaisir, monsieur le français. Allez. Ciao. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée. C'est très bien le cannabis, voilà, je suis content. Il rentre mal à la tête quand il parle, ça me fait péter un câble. Penser à long terme, c'est pour penser sur la cocaïne parce que c'est plus lucratif, c'est un x6. Il me fatigue. Bon. Choc. Moi je pense qu'on pourrait aller braquer quelque part, hein, Liam. On a plus de crochet. Ouais, je suis d'aller sur Gourmand. Allons-en sur Guama. Mais attends, il faudrait qu'on ait une raison aussi d'y aller, ce serait plutôt bon. Oula. Oh, tu vas agresser. C'est quoi ça? Ah, c'est mon putain de canasson de... Oh! On n'a pas encore le salon, on était déjà en train de le casser, là. J'allais vous dire... Est-ce qu'on ferait pas de la moonshine? En vérité. You are mine. En fait, on a acheté du sucre, on a acheté des pommes de terre, autant finir. On en fait qu'une tournée. Si vous voulez. Mais des risques vont être énormes. Ah bon? Ah bah oui, la fumée se voit de très loin. Autant que le cannabis. C'est la même chose. Ah ouais, mais c'est pas du tout rentable en fait. Il est là le problème. La moonshine est rentable sur le fait où on peut en faire à n'importe quelle heure. Mais c'est pas rentable de le faire sur les heures où on peut faire du cannabis. Oui, donc autant faire du cannabis. C'est ça en fait, mais sauf que là pour le moment on peut pas. Donc en soi, ce que je conseillerais, c'est de continuer à faire ce qu'on fait là de mieux. Parce que là vous pensez que si on fait pousser du cannabis là, on va avoir... Ça va partir en fusillade. Là, le problème, c'est que nos armes, on vient juste de les avoir. On va... Et là, le souci, c'est qu'ils vont pas rigoler. Hein. J'imagine. Je pense qu'il y en a une qui va glisser. En fait, ce qui est bien avec la moonshine, c'est vraiment les tickets gourmands. Hein, là. Vous rendez pas compte qu'à quel point on peut se faire de l'argent avec ça. Mais oui, mais sauf qu'on peut en faire à toute heure de la moonshine. Ah, mais si on veut faire à 13h, on peut en faire à 13h. Faudrait qu'on en fasse. Ouais, il faudrait qu'on en distille plutôt quoi. Bien, allons sur Guarma. Est-ce qu'on achèterait pas aussi le stock de cannabis des Weston? Ouais, non. 3$ en plus. En plus, dû au fait que je les déteste. Ou alors, on achète de la moonshine chez le salon des Weston Kids. Il faut voir s'ils ont du stock. Ouais, ils doivent en avoir. J'ai des sous sur moi pour en acheter, donc ça se passe. Moi aussi, j'ai 60$. Voilà. Eh bien, allons à Gorm. Allons-en. Allons à Gorm. Je vais chercher des tickets. Attends, c'était pourquoi qu'on devait la Gorm à l'autre raison? Crochet. Non, je sais plus. J'ai oublié. Attends, c'était quoi le. Non, mais il y avait un autre truc. Eh oui. Les crochets? Les crochets, non, pas vraiment. Non, bah non, mais attends, mais c'était quoi? Je suis fou. On a fait un bon plus là-bas. On a dit on va pour quelque chose et on a dit non, mais faut trouver une vraie bonne raison. Déjà, on va emmener les dollars aussi avec nous. Ah oui, les crochets du braquage, juste ça. Vous avez pris les trucs à blanchir ou pas? J'en ai pris. Tout? J'en ai pris. Ah, vous voulez les blanchir maintenant? Oui, on va tout prendre. Bah, tant qu'on va sur Gourmand, autant rentabiliser. Allez. J'ai tout pris. Ce qu'il en reste. Hop, voilà. Comme ça, en plus, on pourra acheter un max.
Est-ce que vous avez des dollars, messieurs? Non, du tout. Non, moi j'ai tout donné déjà. Parfait. Et bah, direction Sieve Landing. Allez. Ah, ça fait chier que les pilleurs de Lemoine n'en puissent pas les. On puisse pas s'en occuper. Qu'est-ce qui nous empêche? Il est vrai. Ce qui nous empêche, c'est leur réputation et ce qui l'en précède, quoi. Ce n'est pas des rigolos. C'est des hommes qui sont bien installés ici. Vous avez 4 tickets, Liam? C'est ça. En gros, en haut du saloon, c'est à vous, mais le saloon pas encore. Bah, en fait, la ville, elle est à nous, en gros, là, parce que les Margoulins, ils la contrôlaient, mais... Sans mentir, mais... ils sont morts. Si j'en croise un sur Saint-Denis, tout seul, isolé, je l'attrape. Hein. Ah, mais là, moi, je vous assure que si je croise un de ces hommes, je dégaine. C'est qui ces gens-là pour que vous les destiez en si peu de temps? Bah, ils ont attrapé Liam hier soir, lorsqu'il était sans défense. Ah, les enfants. Vous allez où? C'est pas par là, Sieve Landing? Si, si, on va couper par route. Roses. Our road. Aïe, 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 les gars, quand on va être 10, hein? Quand... D'ailleurs, j'avais une petite question. Quand... C'est Douglas, ça? Vous allez bien? Bonsoir. Très bien, très bien. Excusez-moi, monsieur. Ah oui. Je les entends pas. Excusez-moi, monsieur, je cherche un renseignement. Eh, hey, on te cause. On vous parle, monsieur. On vous parle, monsieur. Monsieur, c'est bon, monsieur. Il y a un chip, il a un poney là-bas. Oui, on vous parle. Oui, excusez-moi, on cherche les McAllister. Oui. Oui, c'est ça. Vous les connaissez pas? Ben super. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est un McAllister, ça? Il y a un chip, il a un... Je sais pas fou, c'était un McAllister, le mec en beige, là. Ah bon? Bah, sur le canasson, mais il est plus grand à pied. Sûr? Bah, franchement, presque, hein. Et est-ce que là... Ouais. Bah, ils étaient habillés exactement comme ça, j'ai l'impression d'avoir déjà vu sa tête. Mais si, c'en est un, le mec en blanc. Moi, c'en est un. Mais bien sûr que c'en est un. Et c'est eux que dont vous parlez. Ils sont trop bizarres. Laisse tomber. Ouais. Bizarre. Je suis pas sûr en vérité. Ça avait l'air d'être Douglas, l'autre homme là. Ah oui? Ouais. Oh, les poneys. Je vais tout baiser les poneys de fou. Attendez, mon canasson a besoin de manger. Casse les couilles, frère. Mon cheval, il perd tout le temps de la vie, frère. Il est jamais full HP, c'est trop relou. Pocket bike. Je trouve Rod, c'est trop stylé. Ah, moi j'aime pas trop cette ville. Attendez encore un petit peu. Il
consomme, hein. J'ai un pur sang arabe. Non, mais les pur sang arabes, moi j'aime pas, c'est trop petit. C'est tout petit, frère, comme cheval, ça a aucun flow. C'est bon. Ah ouais, mais moi, s'il mange pas 4 kilos de bouffe par jour. Bah ouais, Kamax, hein, c'est si, c'est des McAllister, Eric. Mais les McAllister, c'est eux les payeurs de Lemoine. Non, 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 c'est des... En fait, je me suis fait attraper par deux personnes différentes. Par les McAllister. Mais oui, eux, oui, oui. Eux, par contre, pour le coup, eux, je vais pas me retenir. Eux, ils m'ont pris 50 dollars, par contre. Combien? 50. Attrapons-les tout de suite, y a même pas de Guarma. Restez là, restez là. Attends. Oh, oh. Pardon. Pardon. Je pensais que vous alliez esquiver, mais... Attends, vous avez entendu ce qu'il vient de me dire? Les McAllister ont attrapé l'IA, mais ils lui ont pris 50 dollars. Mais pourquoi on l'a pas... Mais... Il fallait me dire ça plus tôt. Mais oui, moi je suis pas à Guarma, là. Là, eux, on va les... Eux, on va les attraper tout de suite, hein. Trouvez-moi des McAllister. Mettez vos dollars dans les chevaux, s'il vous plaît. Ouais, attendez. Et restons ensemble, hein. Ne nous perdons pas de vue, parce que Bartley, vous aimez bien faire ça, mais n'oubliez pas que pour vous retrouver, c'est un enfer. Je vous entends pas si vous me parlez. Bartley ? Je vous entends toujours pas. Hein. Moi, je l'entends, moi. Bah oui, mais je sais pas si vous étiez en train de répondre à ce que j'ai dit. En bas, à gauche. En bas, ouais. Enfin, les gars, la chasse dans ce jeu, ça doit être quelque chose, hein. Chasser des mecs, ça doit être quelque chose. Je vais essayer de ne pas le perdre de vue, mais il est loin, hein. Il m'a fait peur. Pourquoi il gueule comme ça? Ça va? Vous vous appelez comment? Ça va pas de crier comme ça. M'appelle Nathaniel. Nathaniel comment? Mais c'est quoi votre nom de famille? Oh, Nathaniel comment? Oh, réponds l'ivrogne. Bah, je bois si je veux. Réponds à la question, je vais te tirer une balle dans la tête. Vous êtes qui? Est-ce que c'est toi qui pose les questions? Excusez-le, il est un peu bourré. T'as pas compris. Pas qu'un peu. C'est quoi ton putain de nom de famille? Je m'appelle Nathaniel Boogie. Vous êtes qui? Parfait, vous n'êtes pas la personne. C'est difficile de répondre. Putain. Je pense qu'ils avaient continué, mais avec le contrebas là, je les ai pas vus. Je pense qu'ils sont retournés sur route, moi. Ouais, on va retourner sur route, je pense que là on commence à trop s'éloigner. Attends, allons en haut quand même, voir. Ouais. Je pense qu'on va retourner sur route. Ah bah ouais, c'est une honte, hein, si ta faction c'est ton nom, c'est comme si nous tu nous chopes, tu dis je m'appelle Max Zabi, alors que O'Connor c'est littéralement notre nom, tu vois. Nous c'est famille O'Connor, clan Shamrock, assumé, tu vois. Il m'a fait peur en plus Steve Ron, là, je suis arrivé, il m'a crié dessus. Quand je suis passé. Ah les gars, chercher d'autres mecs pour les taper, c'est incroyable sur ce jeu. Ouais, nous on est une mafia. Bah après, en fait c'est pas vraiment une mafia, parce qu'aujourd'hui on voit les Irlandais comme des mafias irlandaises, mais c'est pas vraiment une mafia, on est un peu des gangsters, on est entre les deux, tu vois, c'est un peu gang orga, quoi. Et c'est sur GTA, il y a cette dénomination de gang orga. Sur Red Dead, il y a pas vraiment, tu vois, et c'est à juste titre, justement. Parce que t'es un bandit, que tu sois un gang ou une orga, t'es un bandit, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus différent. Allons-y. Allez, c'est parti.
tu donnes un sabé, que penses-tu du capitalisme? Rap game, je capitalise. Politique, bitch, dans mon note, j'en ai fait la liste. Je tombe pas sur la piste. Lâche un kick flip sur les impôts et les ministres. Je fais que mes covers sur Rémini. Et ma bite, elle est mini. Trop les blinis. Tu veux qu'on s'embrouille? Tu me coupes la parole. Je veux qu'on se pète ou quoi? Mais toi t'es grave skinny, laisse-moi finir mon 16. Salut, ouais, vive la trappe. Je t'attrape. SEV. Merci le brother RXT. Mais t'es trop le sang, frère. Tu es trop le sang, frère. Que tu es le sang. Oh, tu es le sang, frère. Merci pour les 5 subs. Merci beaucoup, mon gars. T'es vraiment un crack. On rentre du boulot. Hey. Allons déjà au saloon des Weston, je pense, pour voir le stock disponible. Ouais. Ce soir en stream, y'a de la chatte. Je la balle navée, je prends ses 5 subs. Prends le train de la hype ou ferme ta chatte. Encore une carte, il finit à 4 pattes. Lâche des 10 subs et fais le chéri. Tu veux des subs, je les offre à qui? Je retourne en stream et c'est reparti. Je retourne en stream et c'est reparti. Et merci RXT, le GOAT, tout simplement. Rien de plus, rien de moins que le GOAT. Ah! Y'a plus rien? Super! Et ben heureusement qu'on comptait pas sur eux. Il est vide. Ça parlait de réapprovisionner tout le temps, que dalle. Ouais. Bah parce que c'est les McAllister qui sont censés le faire, donc Ils se préoccupent à voler de l'argent à des petits. Parce que c'est eux qui vont se faire voler au final en plus. Bonsoir. Quatre Irlandais violents comme ça là. Mais ouais, cher XT, le ghost. Le god, frère. 16 subs, wesh, déjà 16. Non, mais c'est un malade ce mec. La forêt de gauche me rappelle de tels souvenirs. Pas moi personnellement, mais. Merci RXT, merci brother. Mais t'es trop le god, frère. Merci beaucoup. Encore une mallette. Et je vous informe de quelque chose aussi. Mm-hmm. Vous voyez ce fort? Ouais. Si des gens sont dedans et que nous, nous arrivons, ils nous tirent dessus à vue. Okay. Comme à l'inverse, c'est-à-dire que si nous on est dedans et qu'on voit des gens arriver, on peut leur tirer dessus à vue. Ok. On peut ou on doit? C'est plutôt on doit, pour notre survie. Trop fort le frère. Merci beaucoup mon gars. Je vais acheter des crochets. Tu donnes 5 subs mais que vous allez blanchir. Rap game je capitalise. Politique bitch dans mon death note, j'en ai fait la liste. J'en monte mon baguette, je tombe pas sur la piste. Lâche un kick flip sur les impôts et les ministres. Je fais que mes covers sur Rémini. Et ma bite, elle d'ailleurs j'aime trop les blunis. Tu veux qu'on s'embrouille? Je me coupe la parole. Je veux qu'on se pète ou quoi? Mais toi t'es grave skinny. Laisse-moi finir mon 16. Salut, ouais, vive la trappe. Si le gagnant carré, je t'attrape. Parfait. Après, pourquoi la dernière fois ça a pris du temps à blanchir? Il avait que des dinars. C'est normal, c'est moins long. Encore une mallette. Encore une mallette. Encore une mallette. 4 x 5. Et merci le GOAT, frère. T'es trop le GOAT, frère. C'est dingré. Merci beaucoup, RXT. $50, hein. C'est bon. J'en ai pris 25. Parfait. C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Mais c'est tout bon. Par là, par là. Tu descends par là? Oui. Je savais pas qu'on peut descendre par là. Merci RXT mon gars, wesh, 21 subs comme ça là, gratuit, dans ma gueule. Merci le frère, t'es trop un goat.
Je sais pas s'il m'en reste peut-être un méchoui, mais je suis pas sûr. Bah garde-le. Liam, t'as mangé ou pas? Oui. Arrêtez. Je peux en passer après. C'est vraiment la galère. Merci, c'est très gentil. Pas de soucis. Qu'est-ce que j'aime ce fusil à pompe. Quand on le peut, il faudra les améliorer. Mais d'ailleurs, vous, le vôtre, là, il est... Ah ouais, non, vous avez gardé celui-là, vous, en fait, Liam. Oui. Moi, je peux garder le Lancaster, j'aime bien cette arme. Ben, gardez, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux. Non, pour débuter. Ce qu'il faudrait, c'est mettre un canon long sur chacune de nos armes, avec une mire. Mais Liam, un Lancaster bien équipé, ça peut pas faire la différence à long terme. Ça dépend de votre sniper. Ok. Tout dépend du sniper. En fait, sachez-le, quand il y a une fusillade qui éclate, tout dépend du sniper. Mais attendez. Oui, c'est normal. Ah, c'est les gens qui habitent là. Oui. Ils arrivent, ils sont derrière. Les gens qui habitent là doivent vraiment se... ne pas voir grand monde à part des hommes armés. Ah, oh, ils sont habitués, vous savez, ils sont nés comme ça. J'aimerais pas habiter. Être habitué. Ah. Il y a aucune terre à la ronde. Je vous étrangle pas cette fois-ci. Ouais. Merci mon gars RXT qui prend la première place du classement. Première place du classement. D'ailleurs, je vous rappelle que ce classement, si vous êtes premier à la fin du mois, bah vous êtes VIP pour le mois d'après. Donc c'est plutôt sympatoche quoi. On va pas se mentir. Wesh. Oh jure, attends. Léon Marchand se qualifie pour sa quatrième finale olympique, déjà 3 emportés. Mais attends, mais là il vient de refaire premier Léon Marchand. Pour une... Regardez, mais même en relâchant, il s'impose, victoire de Léon Marchand. Enfin, c'est devenu normal, il crie même plus. Troll God, frère. Bon. Allons chercher les McAllister. Hein. Passer. Ah là, il y avait un truc là. Doucement. Viens là, toi. C'est sûr. Hola. Bonsoir. Hola les señores. Bonsoir. Oh. Ça va bien? Mais non! Bien vous! Oh, il a un problème, si le seigneur de la fontaine! Si je crois qu'il y a un problème. Ah, il vient de prendre un coup de sabot. Ah merde, c'est qui c'est Liam? On a affaire à qui le seigneur? Le clan Shamrock! Enchanté! Enchanté! Première fois qu'on se voit, connaissez pas du tout, désolé, c'est pas pour manquer de respect. Ouais. Oh, wow, les cabayots! On est les Marston! Les Marston? Si, ah. Bah sans vous manquer de respect non plus, je ne vous connais pas, vous venez de du New Austin. On vient de Valentine et du New Austin, si on... Ah, Almadio et Valentine sont notre contrôle, seigneur. Fais attention, tes cabayes s'excitent. Ah, il est fatigant. Si.
Ok, ben écoutez, nous on est actuellement, on contrôle actuellement Vanorn et on est plus du coin d'Annesburg. Vous avez déjà un contrôle de ville, seigneur. Ben, depuis seulement quelques jours, donc c'est nouveau, ça évolue petit à petit, vous savez. Si, mais vous êtes déjà bien installé, seigneur. Il y en a qui ont pris du temps avant de contrôler une vida. Ouais, ben écoutez, en Irlande, on était déjà avec ma famille, nous étions déjà assez... Enfin, nous étions dans les affaires et voilà. Tu t'es exploité, tu t'es diversifié, c'est ça. C'est ça, nous sommes du coup venus ici. Si, Kralo. Et du coup, seigneur, on va parler direct dans les affaires. Je suppose que t'es pas là pour... Tu marches pas avec en faisant des petites pièces d'or et des minerais et tout ça, seigneur, si. Non, clairement pas. Ben, on revient de Gourma, justement. Donc, effectivement, ouais, nous... Ah, si, nous, Kralo. Nous faisons des affaires. Si. Tu es déjà en train de faire affaire au niveau de la weed ou pas? J'ai déjà des gens qui m'en proposent et d'autres qui m'en vendent. Après, si vous avez des... Si vous avez des offres qui peuvent me paraître intéressantes, pourquoi pas? Si, je sais qu'on sera pas les moins chers du marché, les moins chers sont à 2,50, mais vous verrez que le prix sera bien changé. Ouais. Mais nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on le vend 3 $ une tête. Ok. Toi, quand tu la revends, tu as déjà essayé, seigneur, tu peux te faire le 12 $, ce qui vaut à 6 $ quand tu comptes... Ouais, si, claro. Ouais, à peu près, ouais, entre 10 et 12 $. Bon, parfois 13. Si, claro. Ok, pourquoi pas. Mais moi, ce que je peux te donner comme avantage, comparé à tous les autres, qui se disent avoir les plus gros avantages, c'est que je peux te faire vendre dans 2 villes en sécurité sans que tu aies aucun problème. Lesquelles? Almadillo et Valentine. Valentine qui est une très grande ville. Ok, c'est intéressant. Eh bien, on va prendre... Est-ce que Cole, vous pouvez noter un télégramme, s'il vous plaît? Oui, je note. Si, on... Le 25-25, il est facile. 25-25, effectivement. Et vous êtes les Marstons, hein? Si, les Marstons, c'est ça. Marston, allez, parfait. Okay, parfait. Eh bien, écoutez, on va garder le contact quelque part, et si c'est intéressant, pourquoi pas. Si, d'ailleurs, si. Connaissez les McAllister, peut-être? Ça vous dit quelque chose? On connaît les McAllister, les seigneurs. Tu connais un shérif à Rhodes? Si, je connais un shérif qui s'appelle McAllister à Rhodes, que j'aime pas très beaucoup. Bah, c'est des hommes de Rhodes, mais des hommes qui bossent pour les Weston Kids. Ce sont leurs leur petits sous-fifres. Les Weston Kids, c'est pas mes copains, c'est là. Ah, j'imagine. Moi non plus, d'ailleurs. Claro, parfait, c'est une bonne affaire. Tu sais que Guarma et leur patienne, soi-disant. Ah! Soit disant, ouais, c'est vraiment si, soi-disant. Si, y a rien qui appartient à Weston Kid. Bah, j'imagine que vous y allez actuellement, donc ça leur appartient pas tant que ça. Nous, on va un peu partout, seigneur, tu sais. D'ailleurs, on est un peu à la lechasse jeu en même temps, attends, en plus, seigneur, donc je vais pas te mentir. Et tu m'as dit les McAllister qui faisaient partie de. Ouais, ce sont leurs. Comment dire ça, leurs esclaves, ouais, en vérité. Hein. Ce sont des... Derrière. Oh, vous inquiétez pas, c'est les sacanis, ils vont pas être méchants. Ouais. Si, Kralo. Ben, en tout cas, on garde le contact d'un côté. Et... Mais je vais essayer d'envoyer des petits Elmano à moi, alors les botter le cul à ceux de Rod. Ouais, n'hésitez pas, hein, moi les McAllister, je les recherche, donc si un jour vous en avez entre les mains, n'hésitez pas. Si. Tiens, Mano, toute information est bien à prendre. Merci à toi, seigneur. C'est quoi ton nom? Si. Je m'appelle Declan O'Connor. Si. Merci beaucoup, c'est très généreux. Si, grâce à seigneur. Tu verras si on peut faire affaire ensemble, seigneur. J'ai vu des boire moutarde au sol avec tout ça. Niveau argent, niveau dollar, c'est plus un problème pour les maçons. Ça fait très longtemps qu'on est là, seigneur. Ouais. On est discret, c'est un peu notre problème, c'est qu'on essaye de pas être discret, mais on est quand même discret. Parce qu'en fait, on laisse pas de traces. Quand on a un problème, on le règle tout de suite. Il faut l'être, hein, il faut rester professionnel. Après, il y a discret et discret, comme on dit. Pas discret, c'est ça, on est discret dans les affaires, mais pas discret dans la réputation. Je vois. Comme je dis, dès qu'on a un problème, on le fait ni directement. Ça, c'est être charismatique. Si, voilà mon petit Elmano. Ne dis pas qu'il est petit, sinon il va avoir un problème. Grand. Charismatique. Très grand. C'est vrai que vous êtes grand. Assez.
Ok, bah écoutez, si. Bah, on se recontacte à l'occasion. Et, donc toi tu cherches les McAllister, c'est ça? C'est ça, McAllister de Rhodes là. Mais je pense que ce sera réglé dans l'heure, hein, parce que là j'avais juste une affaire à régler sur Guama et là je vais y retourner. Donc, si, Kralo, profite de cet argent pour boire un verre à ta santé après, seigneur. Et bah merci beaucoup à vous en tout cas. Ah, buenas. Allez, bonne soirée buenas à vous. De même, au revoir. Bonne soirée, petit homme. Du coup, attendez, on le laisse ici lui. Bon. Ouais, laissez-le là, il y a un médecin. Ah bah ok. Arriver. On va attendre. Oh putain, désolé. Ah, c'est compliqué de lâcher en douceur. Il m'a donné 25$ là, pour la formation. Croche pas dessus, hein. Croche pas dessus, effectivement. Là, ils sont relâchés avec les Sagani, hein, apparemment. Ouais, ça va. Bon. Tu reposes les parchés? Vous voulez pas que j'aille chercher un médecin à Black Quater? Tu vas devoir. Je vais aller en chercher un. J'arrive, bougez pas parce que sinon le médecin du coup il viendra pas. Mais...